Loué soit le nom du Seigneur. Racheté. Justifié. Amen. L'épouse de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Loué le Seigneur. Oh, when the redeemed are gathering in, washed like snow and free from sin. Well, I will shout and I will sing. Let's do that fourth verse again. We're gathering in. Then the Savior will give orders to prepare a banquet for when the redeemed are gathering in. And we'll hear His invitation, come be blessed of the Lord. Amen. Louez le Seigneur. Quels sont ceux qui ont leur invitation? Amen. Vous avez votre invitation, pas vrai? Louez le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Quel jour ça va être? Nous sommes les rachetés. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Prédestiné avant la fondation du monde. Je suis l'un d'entre eux et vous êtes l'un d'entre eux. Louez le nom du Seigneur. Ça ne veut pas être mieux que ça, épouse. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Soyez transportés d'allégresse, filles de Sion. Poussez des cris de joie, filles de Jérusalem. Et bienvenue à l'église fondamentale où le cadavre, là où est le cadavre, les aigles s'assemblent. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Vous pouvez vous asseoir. Le cadavre est ici. Il a dit que c'était la parole. J'ai entendu juste avant de venir que notre sœur Rachel Erickson est ici. Sœur Rachel, es-tu ici? Pourrais-tu t'élever? Sœur Rachel Erickson. Oh! Louez le nom du Seigneur. Oh! Gloire au Seigneur. Dieu guérit le cancer. Amen. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Oh, cela devrait élever votre foi partout dans le bâtiment ici. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je vois frère Mike et puis un assis au coin là-bas. Le diable pensait l'avoir aussi, les deux. Il ne peut pas les avoir. Redonne-les. Louez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Je connais une église. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merveilleux. Que Dieu te bénisse, sœur Rachel, ainsi que toute la famille. Quel privilège et honneur que de t'avoir avec nous ici aujourd'hui. Quelle réponse aux prières. Était-ce il y a un an ou deux ans, la première fois qu'ils l'ont amenée à l'hôpital et nous ont dit, vous ferez mieux d'aller la voir à l'instant, elle est en train de partir. Ils ont dit cela pendant deux ans ou plus. Que Dieu te bénisse, sœur Rachel et toute ta famille. Amen. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Oh, oh. Louez le nom du Seigneur.
Louez le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il y a quelque chose d'autre. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de dépression et grincement, de tremblement de terre, du troisième poule, de vision, de prophétie, de l'épée du roi, des sept anges, des sceaux, des quatre vents, de Jésus dans le ciel, de l'arbre de l'épouse. Ainsi dit le Seigneur, tout ça dans un message aujourd'hui. Nous allons entendre toutes ces choses. Amen. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom. À quelle église pouvez-vous aller pour entendre cela? Amen. Louez le nom du Seigneur. Amen. Quels gens privilégiés nous sommes. Nous sommes rassemblés aujourd'hui. Nous allons entendre la prophétie qui s'accomplit aujourd'hui. Vous êtes cette prophétie qui s'accomplit en ces jours-ci. C'est parce que l'épouse de Jésus-Christ reconnaît qu'elle est l'attraction sur la montagne. C'était la voix de Dieu et nous sommes restés avec elle. Amen. Il va y avoir un certain nombre de personnes qu'il a dit qui sont prédestinées à entendre ce message et à le suivre. Il dit, nous n'avons qu'une seule chose à faire, et c'est d'en croire chaque parcelle et de la laisser pénétrer. Louez le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes dans de grandes attentes, dans l'expectative aujourd'hui, parce que nous cherchons et nous attendons à davantage. Il dit que nous surveillons chaque signe qu'il y a. Et comparons avec les Écritures, et c'est ce qu'il nous a dit de faire, le comparer aux Écritures. Ils auraient dû savoir du temps de Jésus. Quand il est venu, il dit qu'il était indéniable de savoir qui il était. Les Écritures prédisaient qui il était. Il a dit qu'en ces temps de la fin, c'est ce que cette épouse, il regarde et compare. Il dit qu'ils viennent s'assembler aujourd'hui, se demandant qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui. Je vois, nous venons de voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Or, que va-t-il faire aujourd'hui? Que va-t-il nous révéler aujourd'hui? Il va nous révéler les secrets aujourd'hui. Il va nous dire le temps même dans lequel nous vivons. Et que la seule façon de faire quoi que ce soit pour l'épouse est de rester dans la parole. Et il dit que la seule façon que vous puissiez le faire est en écoutant ce message. Il n'y a aucun autre moyen d'y arriver en dehors de cela. Quelle est l'attraction? C'est ce que disent les gens du monde. Quelle est l'attraction là-bas avec ces gens-là? Ils vont s'assembler là-bas. Vous les voyez, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Combien ne sont pas de Jeffersonville, Indiana? Levez la main. Louez le nom du Seigneur. C'est la prophétie qui s'accomplit ici même que vous venez de voir. Il dit, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent du Nord et du Sud. Que font-ils? Ils viennent de partout dans le monde. Ils sont à l'écoute. Ils écoutent ce message. Il dit, ça ressemble à une ruche d'abeilles là-bas. Louez le nom du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui est en train de faire l'histoire. C'est Dieu qui est en train d'accomplir la prophétie. Nous sommes en plein dedans. Nous en sommes une partie. Il dit, c'est ça l'attraction. La semence prédestinée de Dieu qui ne peut rien faire d'autre que suivre cela. C'est ce qui compte plus que la vie pour nous. Ôtez-nous la vie, mais ne nous ôtez pas cela. Quelle est l'attraction? Dieu, comme toujours, qui accomplit la parole, qui accomplit sa parole. Il accomplit la parole de Zacharie de nouveau. Louez le nom du Seigneur. Il dit dans Zacharie, vous allez l'entendre aujourd'hui, il dit, il prédit, il parle d'un Messie qui doit venir. Il pouvait le lire, c'était écrit là, il était juste là à accomplir les Écritures. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Ce sont les Écritures qui s'accomplissent en notre jour. Mais nous vivons en écoutant, nous vivons dans cette parole vivante aujourd'hui. Amen. Nous sommes cette nouvelle branche. Frère Branham parle de cet arbre. Et il dit aujourd'hui, si vous écoutez bien tout le monde, et je pense que c'est environ au paragraphe, je ne l'ai pas écrit, c'est le paragraphe 108, 109 ou quelque chose comme ça où je pense, il parle de maintenant, saisissez-le, soyez attentifs. Il dit que cet arbre, or ces dénominations, elles n'avaient pas de lumière au départ. Il dit, elles n'avaient rien. Il dit, elles ont produit des citrons, des pamplemousses et tous les autres fruits. Mais il dit, à la fin, au sommet de l'arbre, c'en est un, moitié orange, moitié citron, qui tire sa vie du même arbre et qui lui ressemble. C'est le jour et l'heure à laquelle nous vivons maintenant même.
En magasinant des choses, il y a des choses merveilleuses en réserve pour nous. Et je veux en arriver directement à la parole parce que nous obtenons la stimulation par révélation. Vous croyez cela? Amen. Et quelle est l'attraction au Branham Tabernacle aujourd'hui? C'est Dieu en train d'accomplir la prophétie. C'est Dieu qui accomplit l'histoire. C'est Dieu qui accomplit sa parole. C'est Dieu qui révèle à son épouse qui il est. C'est Dieu qui révèle à son épouse qui vous êtes. C'est Dieu qui révèle qu'il a chassé tous les démons. C'était parfait. Ce message est parfait. Ils sont revenus et ils ont dit, disent les Écritures, j'ai perdu la page ici. Quelqu'un pourrait dire, nous mettons trop l'emphase sur cet homme. Et ça, nous l'avons entendu. Il dit, c'est le message, ce n'est pas l'homme, c'est le message. Et c'est vrai, c'est le message. Mais il y a deux semaines, ce prophète, ce même messager a répondu à cette question-là pour nous. Il a dit le message et la parole et le messager sont tous pareils. Il a dit Dieu ne peut pas les séparer. Ils ne sont qu'une seule chose. Puis la semaine dernière, c'est très important. Il a rendu cela très clair pour nous de nouveau exactement. Qu'est-ce que vous, les gens, croyez? Parce qu'ils croient. Avez-vous déjà entendu l'expression des croyants de la déité? Vous avez entendu cette terminologie, on est des croyants de la déité. Le prophète de Dieu le dit directement, voici ce que nous croyons. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand il lui est apparu. Amen. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais, c'est seulement que je me suis abandonné. Et il a parlé à travers moi, ce n'est pas moi, ce n'était pas le septième ange, oh non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas le messager du Fils de l'homme. Excusez-moi, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. C'est ce que cette église croit juste là. Amen. Nous ne nous nourrissons pas d'un homme. Nous nous nourrissons du Dieu vivant, de la parole vivante. Amen. Louez le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je veux que vous écoutiez ceci très attentivement. Frère Branham dit dans le message après cela, si proche, il a dit dans le message, la semence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église ou quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça, c'est la semence de discorde. Oh! Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. C'est ça la révélation de ces jours-ci. De savoir si presque ça séduirait même les élus. N'êtes-vous pas heureux d'avoir cette véritable révélation de savoir ce que nous croyons? Vous savez ce que vous savez que nous n'adorons pas un homme, nous adorons Dieu dans cet homme. Mais ce même esprit, ce Fils de l'homme est venu et s'est révélé. Comme il était humble, il a dit, je ne faisais que me tenir là. Mais c'est la voie qu'il a choisie.
C'est le vase qu'il a choisi pour nous apporter cette parole. Et si c'est si près, vous ne pouvez pas prendre de risques, mes amis. Vous devez rester avec ce message et ce messager. Vous devez rester exactement avec ce qu'il a dit et croire chacune des paroles de cela. Exactement pareil dans tous les détails, à l'exception du corps physique. Qu'est-ce qui était ici en notre jour? Qu'est-ce qui est ici maintenant? Qui êtes-vous? Vous, c'est vous, le Fils de l'homme vivant en vous. Il dit, vous êtes cette parole vivante. Louez le nom du Seigneur. Et pareillement aujourd'hui, il va faire quelque chose pour nous. Il va chasser tous les démons. Il va guérir chaque malade qui se trouve ici. Comment est-ce que je le sais? Il a dit dans sa parole. Il a dit, Satan, tu es vaincu. Ça règle la question. Ça règle la question. Il dit, en tant que serviteur de Dieu, en tant que serviteur, vous remarquerez au début de la bande que Frère Branham dit, trouvez quelqu'un dans votre église. C'est la prophétie en train de s'accomplir. Le prophète de Dieu a vu ceci. Il n'y a pas de doute. Il dit, les voici, ils attendent la venue du Seigneur. D'ici et là-bas en Arizona, là en Californie, là au Texas, là en Floride. Les voilà aujourd'hui. Au Mexique, en Amérique, au sud, du sud, en Europe. Vous tout autour du monde à l'écoute, unis autour de ce message. Il dit, prenez les anciens, prenez les pasteurs et prenez quelqu'un pour imposer les mains les uns aux autres. Mais à la fin, il dit, posez les mains les uns sur les autres, vos mains. La puissance du Seigneur Jésus-Christ qui vit en vous. Il dit qu'ils allaient chasser chaque démon. Et nous t'ordonnons au nom du Seigneur Jésus-Christ d'obéir à la parole de Dieu et de sortir des gens. Car il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. J'ai quelque chose d'autre pour vous, au cas où vous attendrez. Dieu va remplir tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il va vous remplir ce soir de son Saint-Esprit. Si vous voulez le Saint-Esprit ce soir, vous pouvez l'avoir ce soir. Il dit, tous ceux d'entre vous qui n'ont pas le Saint-Esprit, puissiez-vous recevoir le Saint-Esprit. Chacun de vous avec toute la puissance divine et l'amour qu'il vous a promis pour faire de vous une nouvelle créature en lui. C'est Dieu avec nous. C'est Dieu en nous. Nous sommes la prophétie en train de s'accomplir aujourd'hui. Amen. Inclinons la tête. Comme c'est merveilleux d'avoir la révélation de ce message. De savoir exactement qui nous sommes. Ça devient plus clair chaque jour. Dans la vie de l'épouse de Jésus-Christ. La révélation de reconnaître qui nous sommes. Il y avait une attraction sur cette montagne. À la montagne Sunset. Quelle était cette attraction? Dieu de retour confirmant sa parole. Il a envoyé cet ange venu pour révéler les sceaux. Venu pour ouvrir sa parole à l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, cette parole vit et habite dans des êtres humains. Dans chacun de nous, quel peuple privilégié nous sommes. Seigneur, nous ne pouvons pas te remercier suffisamment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette opportunité que nous avons d'être ensemble pour écouter ta parole. Merci pour une épouse qui veut écouter cette parole, qui y croit, qui sait que cela vient en entendant la parole, en entendant ce message. Gardons leurs oreilles sur la parole de ces prophètes. C'est le message qui rend l'épouse parfaite. Nous te remercions, Seigneur. Aujourd'hui, nous en avons deux en moins. Le Père a trouvé bon de reprendre ces deux soldats à la maison. Notre sœur Christine Mayfield et notre sœur Johnny Smith. Maintenant, elles sont au-delà du rideau du temps. Elles sont avec cette portion de l'épouse qui nous attend. Tous ceux qui ont été dans ce service et nous ont écoutés en parler, ils sont là-bas maintenant. Quelle promesse! Frère Branham a dit qu'avant que l'entrepreneur de pompes funèbres ne puisse prendre ses corps, ils sont dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Comme nous te remercions, Seigneur Jésus.
C'est toute une promesse qu'a l'épouse. Pour nous, c'est une perte, mais c'est un gain pour le ciel. Aussi, nous voulons nous souvenir de la famille en prière. Car c'est difficile pour eux, ils savent où elles sont. Ils connaissent cette promesse. C'est pour cela qu'elles ont vécu. Un jour, peut-être que vous serez à ce même endroit. Nous sommes à un souffle de nous trouver en sa présence. Oh Seigneur Jésus, viens pour ton épouse. La famille veut annoncer qu'il y aura un service en mémoire de notre sœur Joni Smith au Branham Tabernacle au 7e rue à 7h. Tous ceux qui veulent, nous n'avons pas l'heure pour le service de sœur Mayfield. Mais nous remercions Dieu. Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Seigneur, viens. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos oreilles, nos âmes. Et que cette parole pénètre profondément dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Père, révèle ta parole comme tu ne l'as jamais fait encore auparavant. Est-ce là le désir de votre cœur? Seigneur, révèle-moi davantage de ta parole. Rends-moi plus comme toi, Père. Que je ne sois plus la même personne quand je vais sortir de ce bâtiment, Seigneur. Que ton doux Saint-Esprit descende et demeure avec moi, Seigneur Jésus. C'est notre prière. Bonjour mes amis, c'est bon d'être ici ce matin. Je crois que j'ai fait intrusion sur le temps de Frère Neville. Assis là-bas avec son en train de préparer son sujet, je me suis avancé, il a commencé à ranger son texte et a dit, eh bien, cela me rappelle des années en arrière, il y avait un frère de couleur ici qui s'appelait Frère Smith et Sir Cross. C'était de très bons amis à moi. Et quand j'entrais dans le bâtiment le soir, le vieil homme avait une moustache blanche. Je ne sais pas si l'un d'entre vous se souvient de lui ou pas. Et il se tenait sur l'estrade, vous savez. Ils chantaient tous « C'est un chemin qui mène au ciel ». Et Frère Smith, il s'assoyait comme ceci, vous savez, j'arrivais par la porte de derrière. Il y avait une petite fille à la peau très foncée qui s'assoyait dans le coin. Elle commençait à taper des mains en chantant « Élevez-le ». Ce chant, vous savez, ils y ont ajouté leur propre mélodie, vous savez. Et puis dans l'autre coin, il y avait quelqu'un d'autre qui recommençait « Élevez-le ». Eh bien, c'est ce qu'ils chantaient quand j'entrais. J'aime vraiment ces gens-là. Et le vieux Frère Smith assis là, derrière, un peu, vous savez, il était du style plutôt tranquille. Il disait « Entre, l'ancien, assis ton chapeau ». Pas assis-toi, assis ton chapeau, voyez. Entre l'ancien, assis ton chapeau. Il se levait là-bas, et je pouvais dire à la façon dont il commençait, ça y était, vous voyez. Il disait, eh bien, il dit, les enfants, vous savez, il a dit, j'étais assis ici à me demander, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner à dire? Il disait, il continuait de secouer la tête, de hocher la tête vers moi, je ne vais rien te donner à dire. Il a dit, j'ai vu l'ancien Branham entrer là-bas à l'arrière et j'ai dit, maintenant, Seigneur, je commence à me rappeler, eh bien, ça y était pour moi. Frère George Wright, comment vas-tu, mon frère? Que Dieu te bénisse, frère Wright, certainement. Oh, vraiment? Frère Eli Perry, qui l'a dit, est au fond ici. Où es-tu, frère Eli? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Eh bien, miséricorde, maintenant, on devrait avoir une vraie réunion ici. Elige Perry,
George Wright et certains de ses vieux de la vieille qui étaient là quand il fallait presque tenir le volant en place avec nos mains, quand le vent soufflait. C'est bon de vous voir. Mère, Sir Wright est avec toi? Sir Wright est ici? Elle est à l'arrière, elle aussi. Oui, monsieur, eh bien, c'est très bien. Sir Perry, je les vois tous maintenant. Eh bien, c'est vraiment bien. C'est bien d'être ici. C'est bien de se retrouver dans ces endroits. C'est bien d'être ensemble. J'avais prévu avec tant d'acharnement de revenir, le cœur accablé. Je viens tout juste de rentrer d'Afrique, comme vous le savez tous. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais un visa avec restriction. Il ne voulait pas me laisser prêcher parce que ça rassemblait trop de monde. Ça rassemblait trop de monde. Il s'attendait à un soulèvement à tout moment et il ne voulait pas me laisser prêcher à cause du trop grand nombre de personnes qui se rassemblent. La seule façon que j'aurais pu le faire aurait été d'avoir une organisation représentée par le gouvernement, au sein du gouvernement, pour m'inviter. Alors, cela aurait automatiquement permis au gouvernement d'envoyer une milice comme protection. Voyez, ils sont justes. Il va simplement y avoir un soulèvement et c'est tout. C'est sur le point d'arriver, voyez, cet homme du gouvernement a dit. La dernière fois qu'il est venu ici, il a rassemblé environ 250 000 de personnes. Et il a dit, alors voyez-vous, c'est exactement ce que le communisme attend pour faire un soulèvement. Ainsi, je ne pouvais pas prêcher. Ces gens qui sont debout, là, qui agitent leurs mains et qui pleurent, rappelez-vous de ma mère, rappelez-vous, mon frère est mort, oh, là-bas. Et là, derrière une barrière, vous savez, des barreaux de fil de fer, et ça vous faisait tellement de la peine, et je suis rentré chez moi. Et j'ai pensé, eh bien, mon fils Joseph, assis là-bas, s'était un peu relâché dans sa lecture. Il a réussi, oui, mais il a dû le faire en rattrapage. Il ne lisait pas assez bien. Alors j'ai pensé, eh bien, on va devoir rester à la maison un petit bout de temps. Et j'ai dit, si on reste à la maison, ça va gâcher les vacances des enfants. Alors nous l'avons reporté et l'avons amené à un autre endroit, en août, et nous sommes revenus ici pour quelques semaines, 3 semaines. J'ai dit, je crois que pendant que nous y serons de retour, je vais en profiter et tenir une réunion. Nous allons louer l'auditorium de l'école ici et avoir une réunion à partir du 28 jusqu'au 1er, une réunion à l'auditorium de l'école. Je voulais prêcher sur le sujet du déversement de ces 7 dernières coupes. Et alors, nous avons appelé d'avance et on a été un peu déçus. Ils ne nous laisseront plus avoir ces écoles, trop de gens s'y rassemblent. On ne peut pas l'avoir nulle part. Eh bien, c'est là que j'ai décidé, alors que j'étais ici, nous ne pouvons pas réunir tout le peuple si nous l'annonçons. Cela n'a jamais été publicisé maintenant. Alors, si on mettait tout le monde, si on essayait de les réunir dans le tabernacle ici, on ne pourrait pas le faire. Voyez, c'est juste 5 jours ici, ça serait horrible. Donc, assis là, en parlant avec Frère Neville et Frère Wood et d'autres, nous avons décidé de faire ceci. Si nous ne pouvons pas le faire, au lieu de cela, nous aurons 5 réunions, qui seraient le 28, 29, 30, 31 et le 1er. Eh bien, je me sens que si, à partir de dimanche prochain, nous pourrions avoir 2 réunions, le dimanche matin et le dimanche soir, qui est le 18, et puis le 25, en avoir une le dimanche matin et le dimanche soir, cela fait 4 réunions. Puis le 1er août, en avoir le dimanche matin et le dimanche soir, cela nous donnerait 6 réunions, et ça éviterait un tel embouteillage pour faire entrer les gens. Et je pense ça. Ne pensez-vous pas que ce serait mieux que d'avoir tout le monde juste entassé, écrasé les uns contre les autres et tout? Ensuite, pour ces 2 réunions, nous pourrons tolérer cela, mais tout le monde devra se serrer un peu. Pour 5 soirs d'affilée, ça rendrait les choses difficiles. Et je veux réunir les administrateurs et les anciens ici pendant que je suis ici. C'est en train de se produire partout. Nous vivons en ces derniers jours où l'Évangile n'a pas la prééminence qu'il devrait avoir. Il n'a pas les droits qu'il devrait avoir. Tout est étroitement lié à la politique et tout comme une union. C'est à cela que ça en arrive finalement, parce que la marque de la bête doit venir par une union, nous le savons. Alors parce que c'est un boycott. Nul homme ne peut acheter ni vendre, sauf celui qui a la marque de la bête. Et maintenant, je veux savoir, par les anciens, je me sens conduit. Je n'ai jamais eu une si grande faim de Dieu dans mon cœur de toute ma vie que maintenant, voyez. Car je veux avoir ma propre tente et mes choses, comme le Seigneur m'en a donné la vision, et je crois que le temps va bien. Et je crois que le temps est bientôt venu. Et je veux voir pendant que je suis ici pourquoi on ne peut pas avoir la tente. Et puis, quand nous irons, comme si nous venons ici à Jeffersonville, au lieu de n'avoir qu'un jour ou deux, ou 3 ou 4 jours, nous pourrons nous installer ici, monter cette tente et avoir 2 ou 3 semaines, vous voyez, et personne ne pourrait s'y opposer. Nous pourrions soit prendre un terrain de baseball, ou s'ils ne nous le permettent pas, il y a un agriculteur ici qui nous laissera avoir une ferme. Nous louerons la ferme et nous la monterons. La seule chose que nous aurions à faire là, ce serait d'ériger nos dépendances et ainsi de suite pour nos commodités, et cela pourrait facilement se faire.
Et alors, nous commencerons à avoir nos réunions comme ça parce que c'est selon une vision du Seigneur et c'est ainsi que cela doit se faire. En entrant hier et en trouvant, vous savez, ceci, cela, je montais la rue et un bon ami à moi qui marchait par là m'a dit « Bonjour, Billy ». Je l'ai regardé, les cheveux blancs comme la neige, le ventre gros comme ça, et le gars à mon âge. On allait partout ensemble, un beau jeune homme, quand j'étais jeune. Ça m'a fait me sentir bizarre. Mon petit garçon, Joseph, a dit, « Pourquoi es-tu triste, papa? » Oh, j'ai dit, « Je ne peux pas te l'expliquer, Joseph. Tu vois, je ne peux pas te le dire. » Je regarde Elidge Perry assis là-bas et Mme Perry. Il semble qu'hier, ils étaient un petit couple aux cheveux noirs qui habitait à côté de chez moi quand nous avions le vieux bateau, Wahoo, et que nous descendions la rivière et pêchions le soir. De les voir tous deux les cheveux blancs, vous savez, ça dit une chose, c'est un petit signal avertisseur qui s'allume. Il ne te reste plus beaucoup de temps, voyez? Aussi, je veux que chaque jour de ma vie soit pour lui. Ce qui me reste, le temps que j'ai, je veux le passer quelque part à faire quelque chose, ce n'est rien de plus que me tenir au coin d'une rue pour témoigner à la gloire et l'honneur de Dieu. Et je suis ici pour cette raison. Et j'ai un petit endroit secret ici à Greens Mill, dans l'Indiana. Ce n'est pas une ville maintenant, c'est la nature. Et certaines personnes s'en sont emparées et ils ne vous permettent pas même d'y mettre un pied. Mais j'ai une grotte là-bas où il ne me trouvera jamais une fois que je suis à l'intérieur. J'y vais durant la nuit, il ne saura jamais que j'y entre quand j'y entre ou en sors. Il ne sait pas où se trouve la grotte et il ne pourrait pas y accéder où qu'elle soit. Et je veux y aller pour parler au Seigneur un moment, je sens que c'est une nécessité. Ma femme, elle veut revenir pour visiter les alentours et Rebecca et Sarah et les autres avec leurs amis. Et nous sommes de retour ici pour les 3 prochaines semaines si le Seigneur le veut. Et je pense qu'au lieu d'essayer d'entasser tous les gens pour les réunions ici dans le tabernacle, bien sûr, ceci nous appartient au Seigneur. Il nous l'a donné. Il s'est climatisé. J'aimerais avoir une réunion dimanche matin, une réunion dimanche soir. Cela permettrait aux gens de rentrer chez eux puis d'attendre jusqu'à la semaine suivante. Je ne pense pas que je pourrais prendre et rendre justice au déversement de cette dernière coupe parce qu'il y a un très, très grand message là-dedans. Mais je pourrais prier pour les malades et faire des choses qui... J'ai aussi des messages, comme le Seigneur me les donnera, pour l'Église. Tout au long de la semaine, je vais aller dans la nature quelque part ici étudier. Je vais revenir dimanche matin pour prendre la réunion du dimanche matin comme celui-ci et la réunion de dimanche soir. Notre bienveillant petit pasteur, Frère Neville, je lui ai demandé si cela lui convenait. C'est de lui enlever toutes ses réunions. Mais il était plus qu'heureux de les céder pour cela. Frère Capps, lui aussi, je pense, a eu la fièvre qui court et je vois qu'il est parti et Frère Humes. Et le Seigneur avait Frère Mann ici juste pour prendre la relève et la place. Vous savez, n'est-ce pas merveilleux de voir comment Dieu fait les choses? Il fait toujours tout au bon moment. Je suis arrivé, j'ai entendu quelqu'un prêcher. J'ai dit, Frère Capps, il est venu à Tucson et je crois que ça l'a dérouté sur le champ. Il faisait environ 110 degrés. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Alors il est parti, lui, Frère Humes, et ils sont montés à Phoenix. Bien sûr, c'est 115, 116, 18 là-bas. C'était encore pire, alors je pense qu'il est parti pour le Texas après ça. Il essayait de trouver un endroit. Mais vous ne voulez pas de l'Arizona à cette période de l'année, je vous le dis. Il faisait 140 degrés l'autre jour, vendredi dernier, 140 degrés à Parker. Et c'est là que Frère Craig de l'église d'ici vit. Vous pouvez casser un œuf et il va frire avant de toucher le sol. Vous crachez et l'humidité a disparu, c'est juste, il n'y a pas d'humidité ni rien, c'est vraiment un four. Un four en cette période de l'année. Mais à partir de novembre, décembre et janvier, c'est merveilleux. Mais quand mars et avril arrivent, vous feriez mieux de vous en aller si vous ne voulez pas suffoquer. Et c'est ainsi que Frère Capps et les autres sont venus durant cette période-là, ce qui, je crois, les a fait fuir. Alors peut-être que le Seigneur a fait cela dans un but. Je crois ceci, que Dieu ordonne les pas des justes. Parfois, ça semble difficile. Comme l'autre jour, lors de ce voyage en Afrique, j'étais si sûr d'être dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un an, j'étais dans le sud, en train de tenir une série de réunions et je pensais... Venant de cette organisation, ils ont dit... Vous pouvez venir par l'intermédiaire des hommes d'affaires chrétiens, mais nous n'aurons rien à faire avec cela.
Eh bien, je ne veux pas mêler ces hommes à ça, vous savez, créer des conflits. Je veux qu'ils aient une bonne relation l'un avec l'autre. Bon, j'ai juste dit, eh bien, je leur ai écrit une lettre, j'ai dit, rappelez-vous, j'ai essayé de retourner en Afrique depuis des années. J'ai le sentiment que mon ministère n'est pas terminé en Afrique. Je n'ai aucun... Pourquoi devrais-je aller en Afrique alors que j'ai 600-700 villes ici même aux États-Unis qui m'appellent, voyez, ici même, sans compter le Canada, le Mexique ou l'un de ces endroits. Pourquoi voudrais-je y aller? Mais c'est quelque chose dans mon cœur qui m'attire en Afrique. Là-bas, ces gens, il y a quelque chose à leur sujet que j'aime et je veux y aller pour les gens de couleur seulement. Et il y a quelque chose dans beaucoup d'entre eux, ces conducteurs, ils ne pensent pas que je devrais faire ça. Je veux aller vers mes amis de couleur. C'est là que le Seigneur m'a appelé. Et maintenant, ils sont dans le besoin. Beaucoup de ces gens, ces blancs, peuvent avoir des médecins et tout, mais ces pauvres indigènes vivent dehors et à moitié pourris. J'ai l'impression que ce sont eux qui le recevraient. C'est ceux-là. Il y a quelque chose à ce sujet. Quand vous arrivez au point où vous êtes si intelligent que vous savez tout, alors Dieu ne peut rien faire avec vous. Mais si vous en arrivez au point où vous êtes prêt à écouter et à apprendre, alors c'est le temps où Dieu peut entrer et vous parler. Et alors, je leur ai retourné une lettre et je leur ai dit, et j'ai dit, souvenez-vous, au jour du jugement, ces mains osseuses qui sortent de la fumée vous condamneront. Leur sang est sur vous, pas sur moi, parce que j'ai essayé pendant environ 10 ans d'y retourner. Et quand j'ai posté la lettre, elle est revenue. Quelque chose m'a dit, vois Sidney Jackson pour une partie de chasse. Et en même temps, le Seigneur a parlé à Sidney Jackson et a dit, Lyon à Crinière Jaune, Frère Branham, Campement, Durban, Grande Réunion. Eh bien, il était ici et il vous a parlé ici. En passant, nous avons baptisé, il était fermement contre ce baptême au nom de Jésus-Christ. Et sa femme était pire que lui, elle se contentait de s'en aller. Vous pouviez, je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu des gens plus dévoués. Ils ont environ 150 ministres là-bas baptisés au nom de Jésus-Christ et ils enflamment le pays. Le message est en train de balayer l'Afrique. Partout, des aviateurs et de grands hommes viennent, se font baptiser au nom de Jésus-Christ. Et alors moi, quand j'ai commencé à y aller, je vous le dis, je n'ai jamais eu autant de mal de toute ma vie à essayer d'aller là-bas. Et puis, à la toute dernière minute, voici ce qui était écrit sur mon visa. Ne peut anticiper aucune réunion religieuse. Ne peut que venir chasser. Eh bien, alors, c'était compliqué. Mais j'ai dit, peu m'importe ce que fait le diable, je ne peux pas me porter garant de ce que Frère Jackson a dit au sujet du lion à crinière jaune et de ceci, cela ou autre. Je ne peux pas le garantir, mais je sais que Dieu m'a dit de voir Sidney Jackson et d'aller chasser, et d'aller à la chasse. Et j'ai dit, j'y vais, et parfois, j'ai eu l'un des plus beaux voyages. J'ai découvert quel était le problème. Maintenant, je pense que vers le mois d'octobre, si le Seigneur le veut, je peux y retourner, tenir une réunion et tout, avec une pleine collaboration, tout le reste, voyez, en Afrique. Je voulais en avoir le cœur net et j'ai découvert le fin fond de l'histoire où était le problème, ce qui en était la cause. Par ici, par écrit, celui-ci avait ceci à dire et un autre avait autre chose à dire et celui-là, la meilleure chose à faire, c'est de vérifier par vous-même et je sais où était le problème et quelle en était la raison. C'est parce que tant de gens se rassemblaient que le gouvernement ne voulait pas me laisser faire. Maintenant, c'est les hommes d'affaires chrétiens ou n'importe quelle autre organisation qui vont nous faire entrer, alors le gouvernement automatiquement, parce que c'est une organisation qui est représentée auprès du gouvernement, le gouvernement envoie une milice comme protection. S'il s'agissait de 25 hommes d'une dénomination, 25 d'une autre, ils ne l'accepteraient toujours pas. Il faut que ce soit le dirigeant de cette organisation. Et les hommes d'affaires chrétiens sont une organisation non dénominationnelle qui représente toutes les églises. Docteur Simon, leur dirigeant là-bas, un homme très bien, je dois le rencontrer et lui parler. Ils prennent les réunions en charge et toutes les autres églises viennent s'y réunir. Voyez, et je crois que nous aurons l'une des plus grandes réunions qui ait jamais eu lieu en Afrique. Mais ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous savez que vous essayez de faire ce qui est juste, la première chose, si vous vous sentez conduit à faire quelque chose, alors vérifiez-le avec la parole. Et voyez si c'est en accord avec la parole, et ensuite ne laissez rien vous arrêter. Peu m'importe le nombre d'entraves que le diable jette sur le chemin, passez simplement par-dessus. J'ai dit à ma femme et à Frère Wood, quand je suis arrivé ici, et à des amis que j'ai rencontrés hier, j'ai passé environ 5 ans ici où je ne savais pas trop quoi faire. C'était un temps de tension. Voyez, le réveil lui-même parmi les églises est mort. Tout le monde le sait. Vous le ressentez dans ce tabernacle. Vous le ressentez partout. Il y a un coup violent, un sentiment de mort. Il y a simplement quelque chose qui ne va pas.
C'est parce que l'enthousiasme du réveil a quitté les gens. Allez dans les églises, vous le verrez assis là, et le pasteur bredouille à trouver un message ou autre. Et la première chose que vous savez, il termine avec le sujet d'une certaine fête qu'ils vont organiser ou quelque chose. On dirait que c'est un coup mortel partout. Billy Graham le remarque. Oral Roberts. Monsieur Allen a eu quelques problèmes, comme vous le savez. Oral Roberts a ses immeubles de 50 millions de dollars et ainsi de suite là-bas. Il a une école et, eh bien, il n'y a personne sur le champ maintenant. Je suis parti d'ici, par suite d'une vision pour aller à Tucson, pour voir ce que le Seigneur voulait que je fasse. C'est là qu'il m'a rencontré là-haut, comme il vous a dit ici qu'il le ferait sous la forme des sept anges. Il a dit de revenir ici que les sept sceaux allaient être ouverts. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a dit un jour, quand il est sorti avec Frère Wood, nous sommes allés au même endroit, j'ai tiré une roche dans les airs, elle est retombée et il a dit, « En moins d'un jour et une nuit, tu seras... » Certaines, j'ai oublié les mots qu'il a utilisés. « Tu vas voir la gloire de Dieu. » Le lendemain, un tourbillon est descendu du ciel et nous connaissons l'histoire de ce qui s'est passé. Quand c'est remonté, ils ont demandé ce que c'était. J'ai dit cela prononcé trois mots en trois grandes déflagrations. Les hommes ont seulement entendu la déflagration. J'ai compris ce que cela a dit. Et cela a dit, le jugement frappe la côte ouest. Deux jours plus tard, l'Alaska a presque coulé. Il y a eu des tonnerres, des tremblements de terre et tout. Regardez-les, chaque jour, les tremblements de terre secouent partout. Ma dernière réunion, la dernière réunion que j'ai eue, ce sera vraiment mon premier message que je prêche depuis. Je prêchais à Los Angeles, à l'auditorium Biltmore, et je parlais d'un homme qui se choisit une femme. Vous avez probablement la bande. J'ai dit, elle reflète son caractère et ses ambitions. Quand un homme choisit une femme, il choisit une jeune fille et pour qu'elle devienne sa femme. S'il prend, vous savez, une fille moderne, c'est Ricketta qu'on retrouve partout, cela montre simplement ce qu'il est. S'il épouse une reine de beauté ou une reine du sexe, peu importe, ça montre ce qu'il y a vraiment dans cet homme. Mais un chrétien, lui, il regarde au caractère d'une femme parce qu'il planifie de fonder un foyer avec cette femme. Il planifie, il prend une femme au foyer. Et j'ai dit, alors Christ, selon sa parole, nous dit ici ce que sera notre demeure future. Quel genre de femme va-t-il choisir alors? Une prostituée dénominationnelle? Jamais. Il va choisir une femme qui a les caractéristiques de sa parole et voilà ce qui sera l'épouse. Et pendant que j'étais là, quelque chose m'a frappé. Et j'ai perdu le fil pendant une trentaine de minutes. Il y a eu une prophétie qui est sortie. La première chose que je me rappelle, frère Mosley, et Billy, je marchais dans la rue et cela a dit, « Toi, Capernaum, qui se nomme d'après le nom des anges. » C'est Los Angeles, la ville des anges. Voyez, les anges. Toi qui es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé en enfer. Car si les miracles qui ont été faits à Sodome avaient été faits chez toi, elle aurait subsisté jusqu'à ce jour. Et c'était sans que j'en sois conscient, voyez. Et comment j'ai pu exhorter Christ, l'exalter, le dire à l'Église. J'ai dit, vous les femmes, peu importe comment j'essaie de vous le dire ou de prêcher contre ces choses, et vous les hommes, vous les prédicateurs, vous trompez constamment. Vous continuez de le faire. Vous continuez votre chemin comme si la parole de Dieu comptait. Et quand j'ai compris cela, je suis parti et j'ai dit, il y a une écriture à ce sujet quelque part. Et je suis allé voir et j'ai trouvé que c'était Jésus qui réprimandait Capernaum sur la côte. Ce soir-là, j'ai regardé les Écritures, arrivé chez moi, j'ai pris le livre d'histoire. Sodome et Gomorre était autrefois une ville prospère, le quartier général mondial des gens des nations. Et vous savez, cette ville, par un tremblement de terre, a sombré dans la mer morte. Et Jésus s'est tenu là et a dit, « Capernaum, si Sodome avait vu les miracles qui ont été faits au milieu de toi, elle subsisterait encore aujourd'hui. Mais maintenant, il faut que tu sois abaissé en enfer. » Il y a environ 200 ou 300 ans après sa prophétie, avec toutes ses villes côtières, tout existe encore sauf Capernaum. Elle repose au fond de la mer.
Un tremblement de terre l'a plongé dans la mer. Il a prophétisé, Los Angeles sera au fond de la mer. Je suis rentré chez moi et je suis allé en Afrique. Et pendant que j'étais en Afrique, ils ont eu un tremblement de terre. Et les scientifiques, vous l'avez vu, c'était diffusé à l'émission que de grandes et belles maisons s'enfoncent à Los Angeles, puis un motel et tout le reste. Et maintenant, il y a un... Depuis ce tremblement de terre, il y a une fissure de 2 ou 3 pouces qui se creuse dans la terre à partir de l'Alaska, passe par les îles Aléoutiennes, sort à 150 ou 200 milles dans la mer, remonte à San Diego, inclut la Californie ou Los Angeles, et ressort juste en dessous de la partie nord de la Californie là-bas, un petit endroit appelé San Jose, juste en dessous là. Et ce scientifique parlait, il est en entrevue. Nous regardions la télévision et il a dit, en dessous, ce n'est que de la lave qui bouillonne. Et il a dit ceci, c'est un morceau qui va se détacher. Et il a dit, c'est certain. Et cet inter... L'homme, le scientifique, qui s'entretenait avec ce grand scientifique, lui a dit, « Eh bien, alors, tout cela pourrait couler? » Il a dit, « Pourrait? C'est indéniable. » Il a dit, « Eh bien, évidemment, ce sera probablement dans bien, bien des années. » Il a dit, « Ça pourrait être dans 5 minutes ou dans 5 ans. » Il a juste donné 5 ans. Mais aussi vrai que je me tenais là, sous cette inspiration, j'ai mis un jugement sur cette côte ouest et je l'ai suivi jusqu'ici avec Los Angeles qui sombre. Elle est finie. C'est vrai. Cela va arriver. Quand? Je ne sais pas. Mais oh, que s'est-il passé? Vous savez, nous n'avons plus que 6 continents maintenant. Nous en avions 7, celui qui a coulé entre l'Afrique et les États-Unis. Oh, c'est historique, vous le savez. Maintenant, si elle sombre, alors je veux que vous surveilliez quand... C'était une prédication que j'ai prêchée quand, je crois, frère Elijah Perry était diacre ici dans l'Église à l'époque, pour autant que je sache. Mais cela a dit, le temps viendra. Je ne le savais pas avant que Mme Simpson m'apporte la prédication l'autre jour. Et je l'ai décrit dans un petit carnet, que le désert, que la mer se frayera un chemin dans le désert. C'était il y a 30 ans. Et bien sûr, la mer de Salton est à environ 200 pieds sous le niveau de la mer. Ici, ce grand bouillonnement, cette terre qui s'engloutit comme ça, avec des centaines de kilomètres carrés, des centaines et des centaines de kilomètres carrés qui s'enfoncent dans la terre, cela va provoquer un raz de marée jusqu'en Arizona. Bien sûr que oui. Oh, nous sommes au temps de la fin, une heure glorieuse. L'apparition du Seigneur Jésus. Il a dit, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, un temps où ils ne savent que faire, l'angoisse chez les nations, le cœur des hommes défaille de peur. Il a dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, votre rédemption approche. Oh là là, les nations se disloquent, Israël se réveille. Les signes annoncés par les prophètes, les jours des nations sont comptés, ils sont remplis d'effroi. Retournez ou dispersez vers les vôtres. Ne manquez pas de le faire. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu, vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux, votre rédemption est proche. C'est vrai. Les faux prophètes mentent, ils nient la vérité de Dieu, que Jésus-Christ est notre Dieu. Vous avez vu la photo l'autre jour, comment il a tourné cette photo de côté, et cette photo de ces 7 anges qui s'élèvent. Tournez-la vers la droite, et il y a le visage du Seigneur Jésus qui regarde vers la terre de nouveau. Vous vous souvenez quand j'ai prêché les 7 âges à l'Église? Je ne comprenais pas pourquoi Jésus se tenait là avec du blanc sur la tête. C'était un jeune homme, je l'ai comparé à la Bible, il est dit, il est venu à l'Ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme de la laine. Jésus n'avait que 33 ans et demi à sa crucifixion. J'ai appelé frère Jack Moore, un théologien, il a dit, « Oh, frère Branham, c'est Jésus dans son état glorifié. » Il a dit, « Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est devenu comme cela. » Ça sonnait bien pour un théologien, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas touché ce petit quelque chose. Je suis monté là-haut et j'ai commencé par ce premier âge à l'Église et là, le Saint-Esprit l'a révélé. Maintenant, vous l'avez directement sur vos âges à l'Église. Je pense que les livres vont bientôt sortir avec tous les détails
concernant cela. Cela montrait que Jésus était juge. Il y a une perruque blanche qu'ils avaient l'habitude de porter. Ils mettaient une perruque en tant que juge. L'Angleterre le fait toujours quand vous avez l'autorité suprême. Et en tournant la photo de côté, le voilà, ses cheveux noirs, vous pouvez les voir sur le côté de sa barbe, et la perruque blanche dessus. Il est la dernière des autorités. Il est l'autorité suprême. Dieu lui-même a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Le voilà avec ses anges, le message qui était les sept ouvertures de ses sept sceaux, qui révélait la semence du serpent et toutes ces choses ici. Et ça montre que c'est ce qui le couvre. C'est son autorité suprême. Il est suprême et il porte une perruque ou est couvert. La Bible dit qu'il a changé son apparence ou qu'il s'est changé lui-même, enmorphé. Le mot vient du mot grec, enmorphé, qui signifie un acteur grec qui joue plusieurs rôles. Aujourd'hui, il est une chose, dans l'acte suivant, il est autre chose. Il était Dieu, le Père, dans un acte. Dieu, le Fils, dans un autre acte. Puis Dieu, le Saint-Esprit, dans cet acte-ci. Voyez, le voilà, sa parole est toujours suprême. Nous vivons dans les derniers jours. En revenant d'Afrique l'autre jour, j'étais un peu fatigué. Vous voyez, c'est que c'est la nuit présentement et vous devez vous réhabituer. Et le temps que je me réhabitue, je reviens encore. Nous avons fait un voyage merveilleux, une partie de chasse, l'une des meilleures que j'ai fait de ma vie. Billy a des photos, peut-être qu'il pourrait prendre le temps de les montrer quelque part, vous montrer le voyage. J'ai eu un songe. Je rêve toujours que je suis de retour dans les services publics d'une façon ou d'une autre. Alors, je pensais que j'étais en quelque sorte en train de manquer à mon travail. J'étais supposé, il me laissait faire à ma façon et j'ai pensé que je pourrais, au lieu de suivre la ligne et de collecter les factures ou quelque chose que je devais faire, je me suis dit, eh bien, je suis mon propre patron, je suis simplement allé me baigner. Et je suis descendu là et enlevé ses vêtements et j'ai mis mes vêtements de baignade. J'étais seul et j'ai pensé, hey, ce n'est pas bien, la compagnie, c'est le jour, la compagnie me paie pour 16 heures. J'ai pensé, c'est étrange. Et puis j'ai pensé, eh bien, l'argent que j'ai collecté en chemin, j'avais mélangé l'argent de la patrouille et celui de la route. Et j'ai dit, eh bien, l'argent que j'ai ramassé, j'ai fait quelque chose en m'amusant ici. J'ai perdu tous mes billets et j'ai mélangé leur argent et le mis ensemble. Comment vais-je savoir qui a payé la facture? J'ai pensé, juste parce que je ne faisais pas attention, j'ai pensé, ce n'est pas bien. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de retourner voir mon directeur et lui dire, c'était Don Willis, j'ai dit, Don, j'ai perdu ses billets. Voici tout l'argent que j'ai, voici leur argent mélangé ensemble. Laisse-le ici à la caisse. Et les gens, quand ils vont venir, ils vont avoir un reçu attestant que j'ai reçu leur facture. Il y a probablement des gens assis ici que je sais qu'il y en a, que j'avais collecté ce jour-là et à qui j'avais donné un reçu. Vous savez, c'était seulement 10% si vous laissiez votre facture impayée. Et peut-être qu'un dollar et demi, ça monte à 15 cents de plus. Beaucoup d'entre eux vivaient, nous aimions simplement nous rassembler et bavarder. Ils laissaient leur facture impayée, je venais leur parler un peu. Ils me donnaient 15 cents, vous savez, juste le temps de s'asseoir et bavarder un peu et de recouvrir leur facture. C'est devenu très complexe et j'avais tellement de factures que je ne pouvais pas recouvrir. Eh bien, j'ai pensé que c'était la seule façon de le faire. Et je me suis réveillé. L'endroit où nous vivons, Sœur Larson, je ne pense pas qu'elle soit ici. Elle a été très bonne pour nous et elle n'aime pas que je dise cela. Mais c'est une femme très bien. Nous vivons dans ses appartements. Elle a deux appartements, deux petits appartements jumelés. On les a loués tous les deux. Et ma femme et moi dormons de ce côté-ci dans l'autre appartement où je reçois les gens quand je peux et il y a là deux petits lits jumeaux. Je me suis réveillé. Elle n'était pas encore réveillée et au bout d'un moment, elle s'est réveillée. Et je lui ai fait signe de la main et elle a regardé et cligné des yeux à quelques reprises. J'ai dit, tu as bien dormi? Elle a dit non. J'ai dit, j'ai fait le cauchemar le plus affreux. J'étais de retour dans les services publics. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens quand j'étais petit garçon ou un jeune homme, je marchais en suivant toutes ces lignes à Salem dans l'Indiana. J'entrais m'acheter un petit déjeuner, peut-être un bol d'avoine, sous ce soleil chaud et tout, et ça me rendait malade de prendre un petit déjeuner. Je sortais 10 cents de ma petite caisse, le directeur est venu et a dit, tu sais ce qu'ils ont dit pendant la réunion? Qui est cette tête à chignon qui sort 10 cents pour le petit déjeuner? Il a dit, tu devrais au moins rapporter 50 cents. Bon, vous savez tous que pour 50 cents, c'est un gros petit déjeuner dans ce temps-là. Et j'ai dit, je ne mange pas autant que ça. Il a dit, eh bien, tous les autres rapportent 50 cents. Tu dois rapporter 50 cents. J'ai dit, eh bien, je ne l'utiliserai pas. Il a dit, apporte-le de toute façon. C'était mon directeur. Bon, j'ai pensé, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je dois charger 50 cents et je mange pour 10 cents. Alors, je sortais dans la rue, je prenais des petits-enfants qui n'avaient pas eu de petit déjeuner. Et je leur donnais un petit déjeuner qui valait 40 cents. Alors, j'ai pensé, eh bien, qu'est-ce qui pourrait, c'est peut-être ce qu'ils retiennent contre moi. Et je me rappelle, ici, il n'y a pas longtemps, ils sont passés en patrouille. Ils ont saccagé la cour arrière. Là, ils ont dit, rapporte ta facture. Vous savez qu'ils ont des droits en tant que patrouilleurs, mais ils doivent payer pour les dommages.
J'ai répondu par écrit. Il dit, vous ne devez rien. J'ai pensé, ça va compenser pour ses 40 cents. J'ai peut-être dépensé 20 ou 30 $ pendant cette période de temps-là à le donner aux enfants. Peut-être que ça compensera. J'ai continué à avoir des rêves. Puis j'avais un gros arbre là. Les enfants jouaient dessous. Et la patrouille, maintenant, il patrouille en hélicoptère. Alors, il est entré et a dit, Billy, que dirais-tu de couper cet arbre? J'ai dit, non, ne le coupez pas. On va le tailler. J'ai dit, frère Wood et moi, allons le tailler. Il a dit, eh bien, je vais demander à l'homme de venir le tailler. J'ai dit, mais ne le coupez pas. Il a dit, je ne le couperai pas. Je suis parti en voyage. Quand je suis revenu, il était coupé ras le sol. Et j'allais intenter une poursuite. Vous voyez, j'ai dit, eh bien, Seigneur, je sais que ça va clairer le tout. Je suis certain. Alors, j'ai fait une croix là-dessus. Ce n'était pas grave. J'ai laissé tomber ça. Eh bien, j'ai encore rêvé à cela. Quand je me suis levé hier matin, j'ai dit, eh bien, la première chose que nous faisons le matin quand nous nous levons, c'est de prier ensemble, puis nous prions quand nous allons au lit le soir. Et puis après qu'elle soit partie chercher le petit déjeuner des enfants, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai dû être un type horrible. Qu'ai-je fait dans la vie que je ne puisse pas me libérer des services publics? Je suis entré, j'ai pris un bain, je suis ressorti, et quelque chose semblait me dire, peut-être que je manque à son travail. J'ai pensé, ça fait 5 ans que je n'ai rien fait, je n'ai fait que l'attendre. J'étais là-bas l'autre jour, ils nous ont construit une nouvelle maison là-bas, et frère Mosley est passé, il en parlait. J'ai dit, c'est simplement un petit cadeau de mon père. Il s'est mis à pleurer. J'ai dit, tu vois, il a dit, si vous quittez vos foyers, vos maisons, vos terres, vos pères, vos mères, je vous donnerai des maisons, des terres, des pères, des mères, et 100 fois plus dans cette vie, et la vie éternelle à venir. J'ai dit, tu vois, je devais quitter le tabernacle que je chéris tellement, la maison que le Seigneur m'a donnée là-bas, je devais la quitter, il m'a simplement rendu seul là. J'ai dit, il est merveilleux. Tu vois, il s'est mis à pleurer. Eh bien, j'ai dû venir ici, me séparer, venir dans ce désert. Et j'ai pensé, pourquoi Dieu m'emmènerait-il dans un désert où il n'y a que des scorpions et des monstres de Gila? Ce n'est pas seulement un désert, il fait chaud, mais c'est un désert spirituel. Oh là là, il n'y a pas du tout de vie spirituelle dans les églises. Ils sont contre. Eh bien, vous n'avez jamais vu ça de votre vie. On n'a même pas d'église où aller, ni rien. Et puis quand les gens périssent presque, spirituellement parlant, je le vois chez les gens qui viennent ici, je vois la différence en eux. Je l'observe. Et alors, vous demeurez sous l'Esprit de Dieu, votre vie devient douce, tendre, comme l'eau fait croître cette herbe et ses bourgeons tendres. Si cette herbe en Arizona ne pousserait pas, ces arbres seraient des cactus, ces feuilles s'enrouleraient, deviendraient piquantes. C'est comme ça quand on dessèche dans l'église. Tout le monde se pique les uns les autres, vous savez. Et voyez, vous devez avoir de l'eau douce pour vous attendrir et produire des feuilles et de l'ombre pour le pèlerin qui passe par là. Et alors, quelque chose m'a dit, peut-être que tu manques au travail de Dieu. Alors, j'ai prié pour avoir une vision. Et Meda vient de m'acheter une nouvelle Bible. Et frère Brown de l'Ohio m'a acheté une nouvelle Bible. Les deux en même temps, à Noël. Je suis allé chercher une des nouvelles Bibles. J'ai dit, Seigneur, par le passé, tu avais l'urim tumim. Maintenant, écoutez, laissez-moi dire ceci. Bien sûr, ils ne sont pas ça, ils n'enregistrent pas cette réunion. La raison pour laquelle je demande, dis ceci. Laissez-moi dire, ne faites pas ceci, ce n'est pas une bonne chose. Mais j'ai dit, Seigneur, quand quelqu'un faisait un songe, on l'amenait à l'urim tumim et il le racontait. Et si l'urim tumim illuminait, une lumière surnaturelle, le songe était vrai. J'ai dit, mais ce sacerdoce et cet urim tumim sont terminés. Ta Bible est l'urim tumim maintenant. Seigneur, que je ne fasse plus jamais cela. Mais je t'ai demandé, je t'ai prié de me donner une vision, de me dire pourquoi je fais ces rêves. Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait du tort, si j'ai fait quoi que ce soit à quelqu'un dans le monde, fais-le-moi savoir, je vais aller le rectifier. Si je dois de l'argent au service public, si je leur ai fait du tort, ou à toute autre personne, si je t'ai fait du tort, fais-le-moi savoir, je veux mettre les choses en ordre. Mettons les choses en ordre maintenant. N'attendez pas après un certain temps, il pourrait être trop tard. Faisons-le maintenant, et j'ai dit certainement qu'il y a quelque chose dans cette parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, où un personnage avec qui tu as traité, qui se trouvait sur la même base que ma question. Si quelqu'un a fait quelque chose et que tu l'as repris à ce propos, alors laisse-moi ouvrir la Bible à cet endroit. Et si quelqu'un, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait fait, qui est similaire à ma situation, là où j'ai fait du tort ou quelque chose que tu veux que je fasse ou que je n'ai pas fait, laisse-moi voir un personnage dans la Bible comme ça. Et j'ai fermé les yeux, j'ai laissé la Bible s'ouvrir et j'ai mis le doigt sur une écriture, Genèse 24, 7. Éliezer, fidèle serviteur d'Abraham, le serviteur modèle de la Bible, est envoyé pour trouver l'épouse d'Isaac. Des frissons m'ont envahi. Bien sûr, c'est conforme au reste de mon message. Faire sortir l'épouse. Il a dit, jure de ne pas prendre une épouse parmi celles-ci, mais d'aller vers mon propre peuple.
Il a dit, « Si la femme ne veut pas venir avec moi, il a dit, « Tu seras dégagé de ce serment. » Il a dit, « Le Dieu du ciel enverra son ange devant toi pour te diriger. » Il alla directement et s'est mis à prier, et il rencontra la belle Rebecca qui devint l'épouse d'Isaac. Simplement un message parfait, revenir à la parole. Va chercher cette épouse. C'est un devoir, c'est pour ça que je suis ici. C'est ce que j'essaie de faire, d'appeler une épouse à sortir. Souvenez-vous, en Californie, l'entrevue de l'épouse, la vision préalable, je l'avais ici. Comment cette épouse est passée? Premièrement, je l'ai vue passer, puis voici qu'est passée Miss Amérique, Miss Asie et tout. Oh, la chose la plus horrible à voir. Et puis la même épouse est repassée. L'une d'entre elles ne marchait plus au pas. J'étais en train de la ramener au pas. C'était deux d'entre elles. C'est ce que j'étais censé faire, garder l'épouse au pas, chercher cet homme. J'ai dit, Dieu, je rentre chez moi, renouveler mes vœux et repartir à zéro. C'est donc ce que nous envisageons de faire. C'est pour ça que je suis ici. Je pense que ce serait une bonne chose si nous le faisions. En commençant le 18, la semaine prochaine, dimanche matin prochain, dimanche soir prochain, le dimanche suivant et l'autre dimanche d'après. Combien pensent que ce serait une bonne chose? Merci. Maintenant, je veux que vous fassiez que vous fassiez quelque chose pour moi. Si vous avez avisé des gens qu'il va y avoir une réunion le 28, avisez-les à nouveau que nous ne pourrons pas l'avoir. Dites-leur, écrivez-leur une lettre de quelque façon que ce soit. Nous ne voulons pas que les gens viennent et soient déçus, mais nous n'avons pas pu avoir l'auditorium. Voyez, on n'a pas pu l'avoir. Et donc, parce qu'à la dernière réunion, je pense que nous étions si nombreux là-bas et tout, vous savez comment est le public, eh bien, nous vivons simplement dans les derniers jours, c'est tout. Et ils prétendent que les gens entrent et dérangent l'école, qu'ils arrivent trop tôt, qu'ils font ceci ou cela, ou quelque chose d'autre, que l'endroit est trop embourbé, et que le commissaire des incendies fait ceci et cela. Et bon, vous savez, c'est pourquoi nous allons placer ces coupes et ces trompettes, et je veux les positionner. Je vous ai dit que je le ferai. Il relève d'une autre chose. De même que les coupes aussi, le retentissement des trompettes, mais nous voulons prendre tout le sujet d'un bout à l'autre et l'amener, le relier ensemble. Combien parmi vous ont lu dans le livre de Frère Veil qui a réécrit cela, a corrigé et a arrangé la grammaire pour moi? En avez-vous lu une partie? Oui, deux ou trois d'entre vous. Je pense que tu as fait un très bon travail, Frère Veil, un très bon travail. Je pense que c'est Sœur Veil qui l'a fait et tu ne faisais qu'écrire. Elle était une, voyez, je ne suis pas toujours contre les femmes, n'est-ce pas, Sœur Veil? Alors maintenant, pour les 15-20 prochaines minutes, lisons une écriture ici. Et j'ai un petit carnet ici. J'ai dit, je pense que c'était à Frère Veil ou qui était-ce, ou je pense que c'était Roy Borders. Frère Veil m'a acheté le carnet. Je veux faire un petit manuel. Et si jamais quelqu'un jetait un coup d'œil à ce que j'appelle mes notes, comme si je voulais prêcher sur l'étoile du matin, je dessine une étoile. Et si je veux prêcher sur quelque chose, je dessine tout en symbole ici, des traits. Personne ne pourrait jamais savoir ce que c'est. Pendant que je suis à l'extérieur et que je pense à quoi que ce soit en conduisant sur la route, parfois la voiture fait des rebonds. Et je note ceci, je dis ceci et cela, je dessine des petits signes, des croix et des ponts et toutes sortes de choses. Comme si je veux prêcher sur la descente de l'étoile, je vais mettre la pyramide, la dessiner ici et mettre l'étoile à 5 points de David qui descend dessus. Et je sais où je vais dans les Écritures comme ça, où Moïse, une certaine chose qu'il a faite, je ne fais que des petites empreintes de dindons, par exemple. J'en ai plusieurs ici. Et j'ai pensé ce matin en arrière, alors que je pensais parler de ce sujet pendant quelques minutes ici, au sujet d'une note qui me prendrait peut-être 20 minutes. Et alors, je ne vais pas prendre le service de Frère Neville ce soir, je vais me reposer ce soir et l'écouter. Et puis, si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, nous commencerons la réunion. Et vous tous, aidez-moi, nous allons prier, parce que c'était dans mon cœur d'essayer. Ils ont dit, eh bien, nous pourrions aller à Louisville ou à New Albany, mais la réunion était censée être pour Jeffersonville. J'irai à Louisville et à New Albany en d'autres temps, mais ceci est censé être ici à Jeffersonville. Maintenant qu'ils n'ont la tête un instant pendant que nous sommes, je vous ai parlé ici pendant une trentaine de minutes, parlons-lui un instant. Seigneur Jésus, nous sommes certainement un peuple béni. Au-delà de notre pensée, au-delà de notre entendement, car s'il y avait quelqu'un de noble parmi nous, par exemple une personnalité d'un autre pays ou un diplomate quelconque, nous trouverions cela formidable d'avoir une personne aussi noble parmi nous. Mais aujourd'hui, nous avons le Dieu du ciel, non seulement parmi nous, mais en nous, qui habite et vit sa vie à travers nous. Et nous en sommes si reconnaissants, Seigneur, c'est au-delà de notre entendement, bien sûr. Mais maintenant, en parlant de ces réunions et d'aller en Afrique et des choses que nous avons essayé d'organiser pour ces quelques jours ici en Indiana,
D'une manière ou d'une autre, Seigneur, c'est peut-être toi qui nous conduis vers cette tente pour que cette vision s'accomplisse. Que ta volonté soit faite, nous l'avons confiée de cette façon au mieux de notre compréhension. Alors nous prions, Seigneur, s'il y a quelque chose qui soit contraire à ta volonté, tu nous le feras connaître afin que nous sachions faire ta volonté parfaite. Maintenant, bénis-nous dans ces prochaines minutes. Parle-nous par ta parole, Seigneur, car ta parole est la vérité. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Allons dans la Bible à Marc, le chapitre 8. À quelle heure sortez-vous d'habitude à midi? Très bien. Bon, maintenant, juste un petit message ici pour vous parler de la parole après avoir témoigné de là-bas, et ainsi de suite. Marc, le chapitre 8, et commençons par le verset 34, jusqu'à 38, et de 38, le reste de ce chapitre. J'aime lire ce qu'il a dit, parce que je sais que c'est vrai. Maintenant, nous... Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je veux tirer un petit texte de cela, si on peut l'appeler ainsi, appelé « honteux ». Vous savez, j'aime ça. Quiconque a honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte de lui. Or, le mot honteux pourrait aussi se traduire par embarrassé. Vous savez quelque chose dont vous faites face à quelque chose qui vous embarrasse, vous avez honte. Une autre chose que fait la honte, elle montre que l'on n'est pas sûr de ce dont on parle. Si vous savez de quoi vous parlez, que vous avez l'assurance que vous savez de quoi vous parlez, vous pouvez le dire à n'importe qui. Vous n'avez pas honte. Mais si vous vous sentez mis à l'écart, pas à votre place, cela montre que vous n'êtes pas sûr. Remarquez qu'il y a tellement de cela aujourd'hui, surtout sur le sujet dont je parle, avoir honte de la parole. Maintenant, lui et la parole sont la même chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ainsi, quiconque a honte de moi et de ma parole, et lui et sa parole ne font qu'un. Alors, avoir honte de sa parole dans cette génération présente et pécheresse, j'aurai honte de lui. Maintenant, nous remarquons qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit « Êtes-vous chrétien? » C'est une chose très populaire de dire « Oh, je suis chrétien. » Voyez? Mais croyez-vous la parole de Dieu, où elle dit « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru? » Oh, même le visage des ministres va rougir. Voyez? Avez-vous honte, disons, de la guérison divine? Avez-vous honte du plein évangile? Avez-vous honte de votre expérience pentecôtiste? Voilà ce qu'est avoir honte de sa parole. C'est sa parole faite chair en vous. Donc, sa parole doit se manifester dans chaque génération. Elle s'est manifestée du temps de Moïse. Car en ce temps-là, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes. » Et ces prophètes. L'Église était tellement tordue que, lorsque ces prophètes, ces messagers de Dieu audacieux sont venus sans Église, sans dénomination, sans organisation, sans rien. Ils ont défié les rois, les royaumes, les Églises et tout. Quand les sacrificateurs furent amenés devant les sacrificateurs, ils n'avaient pas honte parce qu'ils avaient directement le « Ainsi dit le Seigneur ». Si vous remarquez,
Le prophète, dans un sens de la parole, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il disait « Ainsi dit le Seigneur », regardez-le maintenant, il entre dans le domaine où il prend la place de Dieu. Remarquez, quand il s'est présenté devant lui, ainsi dit le Seigneur, il s'est retrouvé à la place de Dieu et il agissait comme Dieu. Puis il a donné son message, qui était Dieu qui parlait par lui. Ainsi dit le Seigneur. Je pense aux prophètes d'autrefois, lorsqu'ils arrivaient avec ce message et que cela embarrassait les rois et rendait les gens mal à l'aise. Les sacrificateurs même se sentaient mal à l'aise parce qu'ils étaient censés être des conducteurs, des hommes religieux, et quand ils... La parole venait de cette manière, elle les dévoilait et ils se sentaient embarrassés ou honteux. Et nous voyons souvent cela, pas souvent, trop souvent aujourd'hui. Cet homme, il dit, « Je suis un chrétien. » Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous voyez, ils sont embarrassés par cela. Quelqu'un dit, faites-vous partie de ce groupe-là qui pousse tous ces cris et tous ces trucs de guérison divine? Souvent, les chrétiens font marche arrière. Ils veulent annoncer, s'ils ont une dénomination, bon, je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis luthérien. Ils n'ont pas honte de ça. Mais quand il s'agit d'être un chrétien qui peut prendre la parole de Dieu telle qu'elle est, alors ils ont honte. Je ne fais partie d'aucune dénomination. Vous voyez, ils ont honte de dire ça. Ils doivent être comme le reste du monde, représentés par une certaine organisation. J'ai tout récemment rencontré ce cas. À l'époque de Luther, se reconnaître luthérien ou disciple de Luther, eh bien, cela signifiait presque la mort par l'Église catholique. Du temps de Wesley, de savoir que vous aviez défié l'Église anglicane, c'était presque une peine de mort pour les Anglicans, d'annoncer que vous étiez méthodiste. Du temps de la Pentecôte, c'était une honte, presque, de dire que vous étiez pentecôtiste, parce qu'on vous considérait rapidement comme un exalté, ou un parleur en langue, ou quelque chose comme ça. Maintenant, ils se sont organisés, sont entrés avec le reste du groupe. Mais quand vient le moment de l'appel à sortir, que vous n'appartenez à rien de tout cela. C'est très populaire de dire « je suis pentecôtiste ». C'est très populaire de dire « je suis presbytérien, luthérien ». Mais qu'en est-il du moment où vous devrez sortir et défendre la parole? Je ne fais partie de rien de tout ça. Ça, c'est embarrassé. Jésus a dit « si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous ». Pourquoi aurait-il honte de vous? Parce que vous prétendez être à lui alors que vous ne le suivez pas. Et si je disais, ce petit garçon, c'est mon fils, il se retourne et dit, qui, moi, je suis ton fils? Que penses-tu que je suis? Ça me gênerait. Ce serait embarrassant pour votre fils. C'est ainsi qu'est le prétendu christianisme aujourd'hui. Si vous lui donnez le nom d'une dénomination, ils acceptent la paternité d'une dénomination. Mais quand il s'agit d'accepter la paternité de la parole de Dieu, Christ, non, ils sont embarrassés. Ils ne veulent pas dire « Oui, j'ai parlé en langue. Oui, j'ai eu des visions. Oui, je crois en la guérison divine. Oui, je loue le Seigneur. Je suis libre de toute organisation. Je ne fléchis le genou devant rien de ça. Je suis un serviteur de Christ. Oh là là, ça ne ferait que les mettre en pièces. » L'autre soir, un grand orateur est venu parmi les hommes d'affaires du plein évangile à Chicago. Puis-je m'arrêter ici une minute pour dire ceci? Excusez-moi. Mais vous pensez souvent, et je le pense aussi, que ce dont nous parlons, la vérité de la Bible, ne se répand pas parmi les gens. Mais elle se répand. Un jour ou l'autre, ils vont s'élever contre elle, mais ce n'est pas leur intention. Ils essaient de connaître votre position. Comme l'histoire le disait d'une bande d'ivrognes qui soutenait que le christianisme n'existait pas. Un homme a dit, « Je sais où il y en a une, c'est ma femme. » Il a répondu, « Eh bien, je n'y crois pas. » Il a dit, « Allez, on va, faisons comme si on était vraiment ivre. » Ils sont allés là-bas à la maison et ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et il leur a dit de cuire des œufs, puis il les a jetés par terre et a dit, « Tu sais qu'il ne faut pas cuire mes œufs comme ça. » Ils se comportaient mal dans la maison. Ils sont allés dans l'autre pièce, sont tombés sur une chaise, ils ont entendu quelqu'un qui balayait tout ça, sans dire un mot, en disant, en fredonnant un petit chant, « Jésus, doit-il porter sa croix tout seul et le reste du monde vivre dans l'insouciance? Il y a une croix pour chacun et il y a une croix pour moi. » Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors je rentrerai à la maison pour porter une couronne. Ce vieil ivrogne a dit, « Qu'est-ce que je vous avais dit?
Il a dit, c'est une chrétienne, voyez, il ne faisait que la tester. Et parfois le monde, je l'ai découvert, vous teste. Je ne pensais pas que cela pouvait arriver, mais samedi soir dernier, je crois, ou dimanche soir, le grand orateur, je ne suis pas sujet à nommer les gens, mais il testait, agissant exactement contrairement. J'essaie de tenir ces églises à l'écart de ce mouvement œcuménique, et cet homme essaie de les y amener. Donc, il parlait au nom des hommes d'affaires chrétiens, ce qui j'étais censé avoir la réunion à Chicago et je pensais que je serais en Afrique à ce moment-là, et si je n'aurais pas pu y être. Cet homme a dit, le plus grand mouvement, la plus grande chose qu'il y ait jamais eu sur la Terre présentement, c'est le retour de toutes les églises à l'Église catholique. Dans le mouvement œcuménique, les catholiques vont recevoir le Saint-Esprit. Quel piège du diable! Et ce conducteur, Frère Chakarian, le président des hommes d'affaires internationales, s'est levé et a dit, après que l'homme se soit assis, il a dit, ce n'est pas la façon que nous l'avons entendu. Il a dit, Frère Branham nous a dit que ce mouvement œcuménique les amènera tous à la marque de la bête. Et l'homme était assis sur l'estrade et il a dit, cela conduit à la marque de la bête. Et a ajouté, nous sommes enclins à croire que ce qu'il dit est la vérité. Et il a dit, combien d'entre vous aimeraient que Frère Branham vienne vous donner la vraie version des choses? Levez-vous, il y avait quelques 5000 personnes qui criaient et pleuraient pour que je vienne juste une journée. Une journée. Frère Carl Williams m'a appelé et a dit, Frère Branham, oh, je suis parti à travers cette foule, dit-il, il se mettait des piles de billets de 100 $ dans mes mains pour acheter votre billet d'avion aller-retour. Voyez seulement pour une journée. Voyez ces gens, cette parole s'enracine là où parfois nous ne le savons pas. Voyez, mais voyez quand vous êtes vraiment, peu importe combien le monde est contre cela, combien les dénominations sont contre cela, Dieu prouve que c'est la vérité. Quand la grandeur arrivera enfin, il se passera peut-être des choses que nous n'avions pas envisagées. Oui, cela montre que vous n'êtes pas sûr. Si vous êtes embarrassé, alors vous feriez mieux de ne pas aborder le sujet. Si vous allez en avoir honte, vous préférez ne pas en discuter, vous abstenir. Mais comment un homme qui est rempli du Saint-Esprit, comment un homme rempli de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu dans son cœur, peut-il parler à un homme quelques minutes sans parler de cet amour qui est dans son cœur? Voyez, il y a quelque chose qui le fait arriver. Vous ne pouvez pas le faire. Ce doit être ce jour mauvais dont Jésus parlait. Les gens ont honte de la parole et de l'Esprit de Dieu qui agit en eux. Mais quand la vérité est révélée au peuple, Dieu alors lui-même se révèle au travers de la parole. Maintenant, n'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Et nous l'avons vu ces jours-ci où il y a eu tellement de déclarations que c'était horrible. Mais voyez-vous, s'il y a une vérité, ce doit être par la parole, parce qu'ils disent qu'il y avait toutes sortes de choses, de l'huile qui coulait des gens, du sang qui sortait de leurs mains, des femmes avec ce sang sur le dos et qui coulait dans leurs chaussures, et elles élevaient leurs chaussures et de l'huile s'en déversait, et des grenouilles bondissaient sur l'estrade et toutes sortes de choses du genre. Il n'y a rien de tel dans la Bible. Il n'y a aucune promesse du genre dans la Bible. Seulement, elle dit, dans les derniers jours, l'Esprit serait si proche qu'il séduirait les élus si c'était possible. Mais il n'y a pas d'écriture pour cela. Mais lorsqu'il s'agit d'une parole de Dieu authentique, non falsifiée, confirmée par Dieu, elle semble même gêner l'autre groupe, du côté radical. Voyez, elle crée un embarras. Mais elle est une réalité pour l'homme ou la femme, le garçon ou la fille qui est vraiment un chrétien authentique. Quand Dieu a fait la promesse du baptême du Saint-Esprit et que vous le recevez, il y a quelque chose qui s'installe en vous, que rien ne peut remplacer. Quand un homme rencontre Dieu, non pas dans une émotion fabriquée, un enthousiasme ou une doctrine religieuse, un catéchisme ou un credo ou un dogme qu'il a accepté comme étant un réconfort pour lui-même, mais quand il arrive vraiment à l'endroit comme Moïse au fond du désert, marcher jusqu'à être face à face avec le Dieu Tout-Puissant, et vous voyez la voix qui vous parle, exactement en ligne avec la parole et la promesse de l'heure, cela vous fait quelque chose. Voyez, vous n'en avez pas honte. Elle vous apporte quelque chose. Maintenant, regardons ici pour les 15 prochaines minutes. Il y a des gens qui reçoivent une expérience de ce genre. Et alors que je vous parle aujourd'hui, non pas en tant qu'Église ou dénomination,
Je vous parle en tant qu'individu. Non pas parce que vous venez ici à ce tabernacle ou que je vous aime et que vous m'aimez, non pas pour cela. Laissez-moi vous parler en tant qu'un mortel mourant parce qu'un jour vous devrez arriver à la fin de cette vie. Et il se peut que je ne sois plus là et qu'un autre prédicateur ne soit plus là. Mais il n'y en a qu'un seul qui puisse vous rencontrer là, et c'est Dieu. Et vous écoutez cela, et non pas si ma femme est une bonne chrétienne ou mon mari est un bon chrétien, mais suis-je en ordre avec Dieu? Ai-je rencontré Dieu sur cette base? Pas parce que mon pasteur a rencontré Dieu ou parce que mon diacre a rencontré Dieu, mais l'ai-je rencontré? Pas parce que j'ai crié ou parce que j'ai parlé en langue, mais parce que je l'ai rencontré en tant que personne. Alors vous n'aurez jamais honte de cela. Il y a quelque chose de si parfait, de si pur et si vrai. Et rappelez-vous, vous pourriez rencontrer un esprit qui agit comme Dieu. Vous pourriez rencontrer un esprit qui fait ceci, cela ou autre. Suivez-le un peu et voyez s'il se conforme à la parole de Dieu. Vous pourriez rencontrer un esprit qui vous dirait que vous êtes sauvé et vous donnerait un sentiment glorieux et vous crieriez et hurleriez. Mais quand il s'agit de nier la parole, comment le Saint-Esprit qui a écrit la parole pourrait-il nier sa propre parole? Cet esprit doit ponctuer chaque promesse de Dieu d'un « Amen ». Si ce n'est pas le cas, alors vous n'avez jamais rencontré Dieu. Vous avez rencontré un esprit séducteur et le monde en est rempli aujourd'hui. Mais quand vous voyez Dieu descendre et déclarer qu'il va faire une certaine chose et que ça arrive et fait cela, fois après fois, après fois, alors vous avez le véritable Esprit de Dieu. Comment un esprit pourrait-il être sur un homme, le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, puis faire demi-tour et nier? Ce n'est pas juste, c'était pour un autre jour. Il a dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'était Actes 2:38. Comment un esprit peut-il donc accepter autre chose que cela et être de Dieu, alors qu'Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Et si quelqu'un disait, « Oh, je crois qu'il est un philosophe, c'est un brave homme, c'est un prophète, mais limité à sa puissance. » Je parlais l'autre soir avec George Smith, le garçon qui fréquente ma fille, Rebecca. Un bon garçon qui a chanté ici au tabernacle. Un garçon baptiste qui vient de prendre a dit, « Enlevez mon nom de cette chose, je ne veux rien avoir à faire avec ça. » Il y avait une jeune femme, ils avaient une conférence, cette certaine église baptiste dans les collines. Et ils sont si durement contre moi, eux tous là-bas, et ils n'ont rien contre moi, c'est contre cette parole. Moi, en tant qu'homme, ils ne peuvent rien dire contre moi, je ne leur ai jamais fait de mal. Mais ceci est ce dont ils ont peur, vous voyez? Bon, nous étions... Ils avaient cette réunion là-haut, plutôt. Ils allaient avoir un missionnaire qui prendrait les trois dernières soirées de cette grande conférence, dans les collines où il faisait frais. Il se trouve que ce missionnaire s'est levé, a pris Marc 16 et il a dit, « Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas croire à la guérison divine. » Il a dit, « J'étais en Inde. Je suis un Indien. J'étais en Inde quand un homme ici des États-Unis, du nom de Frère Branham, est venu. » Le pasteur a commencé à s'approcher. Il a dit, « Ma femme se mourait d'un cancer. J'étais aveugle ou quelque chose comme ça. » Il a prié pour l'un de nous. Et l'autre a été appelé dans l'auditoire, ne connaissant même pas notre propre langue, et il a prononcé la puissance de Dieu. Et il a dit, « Nous voici guéris. » Eh bien, ils ont essayé de le faire taire. Ils ne pouvaient pas le faire. C'est, voyez, là, dans leur propre conférence. Alors, ils ont même nié toute chose. Et certaines personnes, même la sœur de ce garçon, ceux qui étaient là, n'auraient rien pu dire. Il voulait savoir si elle n'était pas connectée d'une manière qu'il pourrait arriver à le découvrir. Une des dames a dit, « Eh bien, je le crois. » Rebecca et George sont allés voir cette dame. Et elle est allée chercher une fille qui souffrait comme un peu retardée. Ils m'ont fait venir pour voir la fille l'autre soir. Je suis allé là-bas, la petite dame est assise là, et j'ai dit, « Êtes-vous une croyante? » Elle a dit, « Bah, je ne sais pas si j'en suis une ou pas. » Eh bien, elle n'était pas retardée. C'était juste un esprit démoniaque. Ils ne s'en rendent pas compte. Voyez, ça s'empare de vous et vous ne le savez pas.
Ça vient, puis la violence s'empare de la personne et ils ne le savent pas. Les femmes qui marchent dans la rue avec ces shorts, elles ne le réalisent pas. Elles pourraient prouver et jurer qu'elles n'ont jamais rien fait de mal contre leur mari ou ainsi de suite, comme ça. Mais dans leur cœur, elles ne réalisent pas. Mais l'esprit du diable les a conquises. Elles en sont possédées. Pourquoi une femme voudrait-elle enlever ses vêtements devant un homme? Il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait dans la Bible et ils étaient fous. D'autres essaient de se couvrir. Ils ne se réalisent pas. Ils ne réalisent pas. C'est si rusé, si subtil. Vous devez surveiller, vous comparer à la parole de Dieu et voir où vous en êtes. Cette jeune femme a dit, « Oh, on m'a dit que j'avais été baptisée quand j'étais enfant. » Elle a dit, « Je ne sais pas si je dois croire ça ou pas. » J'ai dit, « Ne croyez-vous pas en Jésus-Christ? » Et elle a répondu, « Eh bien, je ne sais pas si j'y crois ou pas. » Elle a dit, « Certains de ces tours de passe-passe, je n'y crois pas. » J'ai dit, « Bien sûr, vous ne croyez pas au tour de passe-passe. » J'ai dit, « Mais croyez-vous qu'il était le Fils de Dieu? » Oh, elle a dit, « Il aurait pu l'être. » J'ai dit, « Croyez-vous qu'il est le même aujourd'hui, le Dieu qui veut vous sauver? » Elle a dit, « Y a-t-il quelque chose à ce sujet, des miracles et des choses du genre? » Je n'y crois pas du tout. Et j'ai dit, « Que feriez-vous si vous étiez dans une réunion et que vous voyiez Dieu, le Saint-Esprit, qui est le seul Dieu qui soit, agir parmi les gens? Dieu dans la paternité, la colonne de feu, et les prophètes, Dieu dans son Fils, puis Dieu dans son peuple, ce ne sont que des attributs de Dieu, un grand Dieu qui remplit l'éternité. » J'ai dit, « Que verriez-vous si lui, parmi son peuple, il faisait que les aveugles voient, que les sourds entendent, qu'en regardant l'auditoire, il dise aux gens ce qui ne va pas, comme il le faisait quand il était ici sur la terre? » Elle a dit, « Je crois que ce serait de l'horoscope. » J'ai dit, « Vous êtes dans une condition pire que je ne le pensais. Il vaudrait mieux pour vous que vous ayez perdu l'esprit. Vous ne seriez pas responsable. » Mais j'ai dit, « Vous êtes simplement possédé d'un esprit malin. » J'ai dit, « Quand Jésus a parlé de ses maris à la femme au puits, quand il a regardé les gens et qu'il percevait leurs pensées, est-ce que vous appelleriez ça de l'horoscope? » Voyez, tellement enveloppé dans une dénomination appelée luthérienne, que tout ce qui est contraire à cela est faux. Mais Dieu veut l'homme qui est enveloppé dans la parole. Tout ce qui est contraire à cela est faux. Jésus a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vraie. Il y avait un homme à une époque très scientifique du nom de Noé. Il n'avait pas honte de la parole de Dieu. Dieu l'a rencontré et il lui a parlé. Il savait que c'était Dieu. Et il a dit, « Il va pleuvoir. » Il n'avait jamais plu, mais il croyait qu'il allait pleuvoir. Et la foi qu'il avait, il n'avait pas honte de la mettre en action. Il a pris 120 ans pour construire une arche, alors que le monde était contre lui. Il n'avait pas honte de la parole de Dieu en son jour. Dieu l'a sauvé, lui et sa famille, pour cela. Il y avait une... Comme cela a pu paraître insensé aux yeux des autres, mais pour lui, il avait rencontré Dieu. Peu importe à quel point l'autre était scientifique, il était contraire. Comme il disait, « Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver. » Il avait rencontré Dieu. C'est ce que c'est quand vous savez que vous lui parlez. On pourrait penser que c'est une chose stupide quand quelqu'un... Quand je sais qu'il y a quelques personnes dans le monde qui s'accrochent à ce que j'ai dit comme étant la vérité, de me tenir ici et dire « Ainsi dit le Seigneur, je vais en Arizona, là. » Je vais rencontrer un groupe de 7 anges. Eh bien, il y avait un groupe d'hommes qui étaient là pour le voir se produire. L'autre soir, en disant, Los Angeles va sombrer dans la mer. Mais quand vous avez rencontré Dieu et le Dieu qui ne faillit pas, le Dieu qui fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, il l'a toujours fait. Vous n'avez pas honte de cela, alors. Vous n'avez pas besoin de faire marche arrière et d'en être embarrassé. Vous pouvez le dire au monde entier. Quand un homme rencontre Dieu, lui parle et que la réalité de Dieu devient sienne dans son cœur, il n'en a pas honte. Noé n'avait pas honte. Cela paraissait stupide pour le reste du monde, mais pas pour lui. Moïse, lorsqu'il était devant Pharaon,
n'avait pas honte de dire à Pharaon que ces choses arriveraient, car il avait rencontré Dieu. Dieu les lui avait dites dans le buisson ardent. Moïse a dit, je bégaye. C'est ce qu'il avait, un trouble de la parole. Il a dit, voici Aaron qui arrive. Tu seras Dieu pour lui, il sera ton prophète. Je sais qu'il parle bien, mais je serai avec ta bouche. Qui a fait parler l'homme? Amen, j'aime cela, c'est Dieu. Qui a fait l'homme sourd ou muet? Ou qui a fait parler l'homme? Dieu l'a fait. Il a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Il a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il a répondu, c'est un bâton. Il a dit, jette-le par terre, et il s'est changé en serpent. Il a dit, reprends-le, et il redevint un bâton. Amen, il est Dieu. Mets ta main dans ton sein. Il l'a mis, il en a sorti, blanche de lèpre. Il a dit, remets-la et sors-la encore, et elle était comme l'autre main. Je suis Dieu. Alors il s'est présenté devant Pharaon et a dit ce qu'il lui a dit qu'il dirait. Il a dit, il en sera ainsi et ainsi. Il a ramassé du sable, l'a jeté en l'air et a dit, ainsi dit le Seigneur, que les puces viennent sur la terre et les puces sont venues. Il a pris de l'eau, l'a versé dans le fleuve et a dit, ainsi dit le Seigneur, et tout le fleuve et tout s'est transformé en sang. Il a fait tomber la grêle du ciel. Vous savez, dans les derniers jours, ces fléaux sont supposés se produire à nouveau. Et rappelez-vous, un adultère du temps de la Bible, sa peine était la mort par lapidation. Et l'Église incrédule sera lapidée à mort de pierre de grêle, qui était autrefois la manière du châtiment de Dieu. Il lapidera ce monde incrédule, cette génération adultère. Il la lapidera du ciel avec des grêlons pesants, un talent chacun, qui représente environ 100 livres. L'Église adultère mourra. Le monde adultère mourra sous le châtiment de Dieu, sous la lapidation, comme il l'a fait au commencement. Sois en ordre avec Dieu, Église. C'est ce que nous devons tous faire, revenir à Dieu. Ce vieux visage barbu à la barbe grisonnante, chauve, aux bras maigres, Élie, âgé de 80 ans, assis là-haut dans le désert, jetant un regard sur les péchés du peuple, Dieu lui a parlé un matin et a dit, « Descends et dis à Acab que même la rosée ne tombera pas du ciel avant que tu l'appelles. » Je peux voir ses vieux petits yeux regarder derrière cette barbe blanche à l'aspect flou, ce bâton à la main, marchant sur la route comme un garçon de 16 ans. Il a marché droit dans la présence du roi et a dit, « Même la rosée ne tombera pas du ciel avant que je le déclare. » Il n'avait pas honte de Dieu ou de sa parole, de le dire à un roi ou à quelqu'un d'autre. Il n'avait pas honte. Il n'avait pas à se cacher et dire, « Maintenant, Acab, tu serais un... » Cela me fait penser à quelque chose comme nous-mêmes. Puis j'ai dit aux gens, « J'arrive à un point où j'ai besoin de plus de foi. » C'est pour ça que je suis à la maison pour l'instant, c'est pour avoir un nouvel élan de foi. Vous devenez ici, lorsque vous priez pour les gens, vous vous excusez. Monsieur le diable, voudrais-tu bien te pousser et me laisser? Non! La foi a des muscles et du poil sur la poitrine. Quand elle parle, tout le reste se tait. Il n'entre pas. Monsieur le diable, tu déménages? Sors d'ici, je suis un fils de Dieu commissionné par Dieu. Laisse-les tranquilles. Ça bouge. Vous ne vous excusez pas au diable, rien à voir avec lui. Vous n'avez pas honte de la parole de Dieu, pas honte de votre commission, pas honte de qui nous sommes. La seule honte que j'ai, c'est d'être un Branham, c'est ma naissance terrestre. J'ai honte de mes erreurs. Mais en tant que son serviteur, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de sa parole. Qu'il s'agisse de dénomination, de roi, de potentat ou de quoi que ce soit d'autre, je suis juste prêt à donner une réponse. Dieu le demande. Moïse s'est présenté devant Pharaon. Il n'avait pas honte de lui dire qu'il ne ferait pas de compromis qu'il les emmenait pour tant de jours dans le désert. Il a dit que certaines femmes restent près de leurs enfants. Il a répondu, « Nous partons tous. Il ne restera même pas un ongle. Nous prendrons notre bétail et tout. » Il n'avait pas honte. Pourquoi? Il était entré dans la lumière de la délivrance. C'est la raison pour laquelle un homme ou une femme, malade ou quoi que ce soit d'autre, qui une fois vient dans la présence de Dieu et sait que Dieu les a guéris, vous entrez dans la lumière de la délivrance. Vous ne faites de compromis sur rien. La délivrance était dans son cœur, car il avait rencontré le Dieu qui avait dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, qui a fait la promesse à Abraham. » Et le temps de la rédemption, de la délivrance, approche. Je t'envoie là-bas pour les faire sortir. Qu'y a-t-il à s'excuser à ce sujet?
Pharaon aurait pu le tuer. Il n'était qu'un homme. C'était un esclave. Il aurait pu le tuer, mais il n'avait pas honte de la parole. Il n'est pas venu se mettre à genoux et supplier Pharaon pour rien. Il a dit, « Je suis venu les chercher. » Pharaon a répondu, « Eh bien, tu ne peux pas les emmener. » Il a dit, « Très bien, alors il y aura des poux sur la terre au point que tu te frayeras un chemin à travers. » Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit, « Oh, Moïse, fais-les disparaître. » Il a dit, « Très bien. Maintenant, est-ce que tu te repens? » Il a dit, « Bon, tu peux passer tant de jours dans le désert. » Il a dit, « Alors les mouches vont venir. » Amen. Il a dit, « Les ténèbres vont venir. » Il faisait si sombre qu'on ne différenciait pas un endroit de l'autre. Et finalement, la mort est venue. Pour Pharaon, comme pour le serviteur, c'était la mort pour l'aîné des enfants de la famille. Il n'avait pas d'excuse à présenter à personne. Il était un fils d'Abraham, né dans l'Esprit de Dieu, commissionné par Dieu avec le message de Dieu, d'aller là-bas et de faire sortir ses gens. Eh bien, Dieu ne peut-il pas appeler de la même manière en cette heure pour faire sortir de l'Église une épouse? Daniel n'était pas... Ou David, plutôt, n'avait pas peur devant Saül, alors que tout le monde avait peur de Goliath. Il n'avait pas peur de s'avancer. Et il a dit, « Ton serviteur, ce petit homme maigrichon a dit, « Ton serviteur gardait les brebis de son père, et un ours est entré et en a pris une. Je l'ai pourchassé dans le désert et je l'ai tué avec cette fronde. Un lion est entré. Oh là là! Un lion est entré et en a pris une et s'est enfui dans le désert. Et je l'ai abattu avec une fronde. Quand il s'est levé, je l'ai tué. » Il a dit, « Et le Dieu, ce roi rétrograde, se tenait là, ses soldats tellement mous, prétendant servir le Dieu du ciel, laissait ce Philistin incirconcis se tenir là et défie les armées du Dieu vivant. Il a dit, « Ton serviteur le tuera aussi, car le Dieu qui m'a livré le lion et l'ours me livrera aussi ce Philistin incirconcis. » Il n'a pas bégayé. Il n'a pas dit, « Peut-être que ce sera fait. » Il a dit, « Ce sera fait. » Il n'avait pas honte. Daniel, devant le roi, ne craignait pas de défier ses ordres que personne ne devait prier, à part le prier lui. Il a ouvert les fenêtres et a ouvert les volets et priait trois fois par jour. Il n'avait pas peur. Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas peur de cette fournaise ardente. Ils disaient, « Notre Dieu est capable de nous délivrer. Dieu peut nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas devant cette statue. » Il n'en avait pas honte. Non, monsieur, non, monsieur. Il n'en avait certainement pas honte parce qu'il savait. Samson n'avait pas honte devant les Philistins. Quand 1000 personnes se sont précipitées sur lui, il a ramassé l'os d'une mâchoire de mule et ses casques, ils étaient épais d'environ 1,5 pouce, en laiton. Il en a battu 1000 avec. Il avait toujours l'os de la mâchoire à la main. Il n'était pas embarrassé. Il a juste pris ce qu'il avait sous la main et a commencé à se battre. Il savait que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il savait qu'il était né naziréen. Il savait que rien ne pouvait le déranger. C'était un serviteur de Dieu. Tant qu'il y était dans la volonté de Dieu, rien ne pouvait se mettre en travers de son chemin, peu importe combien de rois ou de philistins ou autres qui se présentaient. C'est vrai. Jean n'avait pas honte de la parole de Dieu qui est venue à lui dans le désert et lui a dit de baptiser d'eau. Il n'avait pas honte de dire, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, car l'Esprit de Dieu était sur lui. Il n'avait pas honte devant les sacrificateurs. » Il n'avait pas honte de la parole de Dieu quand il est allé voir Hérode. La femme de Philippe vivait avec Hérode. Il s'est présenté droit devant le roi. Ce vieil homme au visage laineux, sorti du désert, il en est sorti sans éducation ni rien d'autre. Il marcha droit devant Hérode et a dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Il n'avait pas honte de la parole de Dieu. Certainement, il n'en avait absolument pas honte. Étienne, il n'avait pas honte de la parole de Dieu. D'abord, le peuple pentecôtiste là-bas, au jour de la Pentecôte, quand ils se sont rassemblés dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu sur eux par une promesse de Dieu. Luc 24, 49 dit, « Voici, j'envoie sur vous la promesse de mon Père, mais attendez, dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et la promesse même que la parole de Dieu leur a promise, « Voici, j'envoie sur vous la promesse de mon Père, mais attendez-la. N'ayez plus ni théologie, ni instruction, et ainsi de suite. Attendez d'être revêtus de la puissance. Et quand cette puissance du ciel est venue, comme un vent impétueux, ils n'ont pas eu honte de l'Évangile. Pierre s'est levé et a dit, « Repentez-vous chacun de vous,
Vous, hommes, aux mains cruelles, vous avez crucifié le prince de la paix que Dieu a ressuscité des morts. Et nous sommes témoins, car c'est ce que Joël a dit qui s'accomplirait dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'avait pas honte de l'Évangile. Le petit Étienne, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, quand il est passé par là comme une tornade, ce n'était pas un prédicateur, il n'était qu'un diacre, mais il témoignait partout de la résurrection. Il avait rencontré Dieu, et c'est juste comme essayer de l'arrêter. Eh bien, c'était comme essayer d'éteindre une maison en feu par une journée venteuse dans un temps sec. Eh bien, chaque fois que le vent soufflait, le feu se répandait. Ils l'ont fait comparaître devant le grand conseil du Sanhédrin. Vous rendez-vous compte de ce que c'est? C'est comme le concile œcuménique. Toutes les religions se dirigent vers le concile œcuménique. Ils se sont tous retrouvés sous le conseil du Sanhédrin. Pharisiens, Sadducéens, Hérodiens, quels qu'ils soient, ils devaient venir dans ce conseil. Ils l'ont passé en jugement. Pas juste une organisation, mais le grand conseil l'a passé en jugement. On va lui faire peur. Quand il s'est levé ce matin-là, la Bible dit que son visage avait l'aspect d'un ange. Il a dit, « Homme, frère, laissez-moi vous parler. Nos pères habitaient en Mésopotamie avant de venir à Charan, ainsi de suite. » Il allait donner les Écritures, puis quand il fut tout absorbé, l'Esprit vint sur lui et il dit, « Vous, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. » Il n'avait pas honte de l'Évangile ni de la parole. Il n'était pas embarrassé devant n'importe quel conseil du Sanhédrin. Non. Paul a dit devant Agrippa, étant juif, enseigné sous Gamaliel, c'était un grand dignitaire. Mais un jour, sur le chemin de Damas, il est venu en présence, en contact avec Dieu. Un ange est descendu du ciel sous la forme d'une colonne de feu, une lumière qui l'a jeté par terre. Il s'est levé et a dit, « Seigneur, qui es-tu? » Et il a dit, « Je suis Jésus. » Debout devant Agrippa, il a raconté l'histoire à nouveau. Il a dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ, car il est la puissance de Dieu pour le salut, pour tous ceux qui croient. » Certainement. Maintenant, mes amis, nous arrivons avec l'homme à travers l'âge, mais nous avons dépassé le temps. Mais laissez-moi dire ceci. Un homme qui a déjà été en contact avec Dieu, qui est la parole et dont la parole lui a été rendue claire et lui a été manifestée, il n'y a aucune honte à cela. Vous n'êtes pas embarrassé. Ça ne me met pas dans l'embarras de dire que je crois à chaque parole de Dieu. Ça ne me met pas dans l'embarras quand le Seigneur me dit de dire quelque chose. On le dit, on le fait, voilà. Ça ne me met pas dans l'embarras de dire que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Ça ne me met pas dans l'embarras de dire que j'ai parlé en d'autres langues. Ça ne me met pas dans l'embarras de dire que notre Seigneur m'a montré des visions. Ça ne me met pas dans l'embarras de dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand vous serez amené devant les dirigeants et les rois à cause de mon nom, ne pensez pas à ce que vous direz, car cela vous sera donné à l'heure même. Ce ne sera pas vous qui parlerez, mais mon Père qui habite en vous. Mais quiconque aura honte de moi et de ma parole dans cette génération, j'aurai honte de lui devant mon Père et les saints anges. Que Dieu nous aide à ne pas avoir honte, mais qu'il nous aide à être un témoignage vivant. Chaque homme, dans l'Ancien Testament, quand les prophètes sont venus, ils deviennent la parole vivante. Ils étaient la parole. Jésus a dit qu'on les appelait des dieux, et ils l'étaient, parce que la parole de Dieu est venue à eux. Il disait, c'est ainsi dit le Seigneur. Et tout disciple de Christ qui est entré en contact avec lui dans la rédemption et dont le salut est entré dans son cœur, il possède Dieu. Et quel genre de vie devrions-nous vivre? Comment devrions-nous marcher? Comment devrions-nous parler si Dieu se représente lui-même à travers nos propres corps mortels? Qui pourra en avoir honte? S'il arrivait que je fasse partie de la police ici à Jeffersonville, que je descende la rue avec toute l'autorité, je n'aurais pas honte de la ville. Je ferais partie de la ville. Je serais un policier, une partie de la ville, pour maintenir l'ordre et la bonne conduite. Si un homme brûle un feu rouge, je n'aurais pas honte de lui dire qu'il a mal agi, de lui donner une contravention. Ce serait mon devoir, parce que je serais payé par la ville. Je vivrais de cette ville. J'aurais l'autorité par cette ville. Peu importe s'il était ivre ou son état, il me soutiendrait. Je resterai sur ma position parce que je serai policier et ordonné, ou mis ici en autorité pour le faire. Vous êtes censé prendre la loi et les droits et ces choses et veiller à ce que ce soit bien fait. Ainsi, si je suis chrétien, que j'ai été rempli de l'Esprit,
portant le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne laissez pas le diable essayer de vous bousculer et dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Faites-le vraiment. Dieu vous a donné le... Voyez, nous n'avons pas de puissance. Ce policier n'a pas la force d'arrêter une voiture. C'est à peu près... Parfois, il s'agit d'un moteur de 300 ou 400 chevaux vapeur. Que pourrait-il faire? Mais il a l'autorité. Et c'est l'Église. Nous avons autorité par la résurrection de Jésus-Christ et de sa parole promise. Alléluia! Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car je m'en vais au Père. N'ayez pas honte de lui dans cette génération. Pécheresse, perplexe, la dernière génération qu'il y aura sur la terre est pécheresse, adultère et pleine de plaies vives. Tout ce qui était décent est devenu indécent. La politique nationale, de la saleté. Les nations se brisent. Dans les profondeurs des jungles d'Afrique, les chasseurs de safari devaient amener des radios très puissantes pour entendre Elvis Presley, Pat Boone et ces gars-là avec leur rock'n'roll et leur twist. Et les indigènes, essayant de les voir agir, secouant leur tête et agissant comme ça, les indigènes étaient là et les regardaient. Mais voyez-vous, ce ne sont pas des Américains comme Pat Boone, Elvis Presley, Ricky Nelson et ces gars-là. Ce ne sont pas des Judas de ce genre, mais ce sont... Voyez, c'est un esprit. Et l'esprit n'est pas seulement en Amérique. Il s'est répandu dans le monde entier pour les amener à la bataille d'Armageddon. Ils agissent ainsi, qu'ils soient, peu importe d'où ils viennent, de l'Afrique, de l'Inde, d'où qu'ils viennent, cette vulgarité s'est répandue sur toute la terre, par un seul homme qui l'a lancée. Ainsi en est-il de l'Évangile et de la puissance du Dieu. Ainsi en est-il de l'Évangile et de la puissance du Dieu Tout-Puissant. Ils se sont répandus dans le monde entier, et le temps de la séparation a lieu maintenant, alors que Dieu appelle une épouse et le diable appelle une église. Que je fasse partie de l'épouse. Prions. Cher Dieu, nous voyons l'écriture sur la muraille, Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Nous savons qu'il y a de grandes choses qui nous attendent, mais pourtant, quelque part dans ce gâchis ici, il y a encore des gens honnêtes qui ont été ordonnés à la vie. Ce serait impossible pour un ou deux hommes. Mais avec Dieu, tous ensemble, répandons dans tous les coins que nous le pouvons la bonne nouvelle que Jésus vient. Et voyez, répandons juste un peu de pain, un peu de parole. Où que soient les aigles, ils suivront cette nourriture. Qu'elles viennent par une bande ou qu'elles viennent par un mot ou un témoignage, les aigles la suivront de son quartier général. Car il est écrit « Là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Cher Jésus, nous savons que tu es le cadavre que nous mangeons. Tu es la parole, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Nous prions Dieu, comme nous répandrons la parole, que les vrais aigles la trouvent. N'ayons pas honte quand nous nous tenons devant des gens, méchants, indifférents, religieux, quoi qu'ils soient. Comme Paul l'a dit à Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et ils détourneront de la vérité vers les fables. Dieu, nous vivons en ce jour-là. Tu m'as laissé vivre assez longtemps pour le voir se produire. Comme ce qui se trouve ici même dans la pierre angulaire de ce tabernacle aujourd'hui, d'il y a 33 ans. Que Dieu bénisse chacun de vous ici. S'il y en a ici, Seigneur, qui ne sont pas prêts à te rencontrer, qui ne peuvent simplement pas être d'accord avec ta parole et ne t'ont pas rencontré face à face et savent que tu ne viens pas seulement par un acte d'une sorte d'acception, comme pour un credo ou autre, mais qui ont rencontré le Dieu vivant. Et s'ils ne l'ont pas fait, Seigneur, qu'ils le fassent maintenant. Je crois que tu es très proche en cet âge. Je ne sais pas qui ils sont. Je ne sais même pas s'il y en a ici, mais je me sens simplement conduit à te prier.
non pas afin que le peuple m'entende, car ce serait un rite hypocrite. Loin de là. Je ne veux pas être un hypocrite. Mais je prie avec la sincérité dans, mon cœur, Seigneur. Qui que soit celui ou celle à qui tu parles ce matin, qu'ils n'aient humblement pas honte, mais qu'au fond de leur cœur, ils te reçoivent maintenant, venant ce soir pour être baptisés au nom de Jésus-Christ, suivant chaque parole. S'ils ont été baptisés différemment ou aspergés, on leur a versé un peu d'eau. Nous nous souvenons, effectivement, Seigneur, que tu as dit, si quelqu'un retranche une seule parole du livre ou y ajoute une parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Bien qu'il essaie, il vient, mais son nom dans le livre, ça ne marchera pas. Soyons sincères et humbles. Maintenant, ils sont entre tes mains, Seigneur. Fais d'eux ce que tu veux, car ils sont à toi. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, je veux que vous réfléchissiez sérieusement. Tout d'abord, je m'excuse d'avoir un quart d'heure de retard. Maintenant, nous voulons fredonner. Et pensez simplement dans votre cœur, ai-je vraiment rencontré Dieu? Pensez-y vraiment sincèrement maintenant. Parce qu'il n'y aura peut-être pas bien des fois avant que... C'est peut-être la dernière fois maintenant que nous nous rencontrerons avant sa venue. C'est proche, mes amis. Toute écriture, semble-t-il, est à peu près accomplie. Et ce pourrait être pour vous, moi, notre dernière chance. Nous pourrions être partis avant la nuit. Je vais le suivre jusqu'au bout. Je peux entendre. As-tu honte de moi et de ma parole? Je peux entendre mon Sauveur. Bon, imaginez que vous êtes allongé sur votre lit de mort maintenant. Voix du... Alors, il pourrait être trop tard, mais ça ne l'est pas en ce moment. Prends ta croix et... Il est possible que ce soit un sacrifice maintenant. Viens, suis-moi. Maintenant, dans votre cœur, répondez ceci. J'irai avec lui au jardin. J'irai avec lui au jardin. J'irai avec lui au jardin. Je le suivrai. Suivrai. Jusqu'au... Maintenant, avec la tête inclinée, levons nos mains et disons, je le suivrai dans le jugement. Voilà ce qui se passe en ce moment. Il nous juge. Seigneur, me déclares-tu coupable? Alors, pardonne-moi. Dans le jugement. Quel est ton jugement sur moi ce matin, Seigneur? Le suivrai dans le jugement. Sonde-moi, Seigneur, vois s'il y a quelque chose d'impur en moi. Le suivrai jusqu'au bout. Père, nous te remercions ce matin pour toutes ces mains. Je n'ai pas vu une seule personne qui n'ait pas levé la main. Je te remercie, Seigneur. J'espère que toi non plus, Seigneur. Aucun qui n'a pas levé la main, ils sont prêts à traverser le jugement. Juge-nous, Seigneur, et s'il y a du mal en nous, pardonne-nous, Père. Accorde-nous ta miséricorde, car nous ne voulons pas faire face à ton jugement si la miséricorde n'est pas présente. Alors que la miséricorde est présente ici, nous prions, Dieu, que tu nous juges et nous pardonnes et pardonne nos péchés, selon ta parole et ta promesse, et laisse-nous vivre pour toi tous les jours de notre vie, n'ayant pas honte de l'Évangile. Maintenant, Père, si c'est ta volonté, nous commençons 3 dimanches de réunion en ligne. Prépare nos cœurs pour cela, Seigneur. Prépare-moi, ô Dieu. Je suis celui qui a profondément besoin de toi. Je prie afin que tu me guides et me diriges dans les choses que je dois faire et dire dans ces jours à venir.
Guide et dirige notre précieux frère Neville, ton vaillant serviteur, Seigneur, ainsi que frère Mann, le diacre de l'Église, les administrateurs et toute personne qui vient aux réunions ici. Prépare-nous, Seigneur, pour que nous puissions, d'une manière véritablement chrétienne, t'amener des pécheurs et amener les membres de l'Église à connaître le Dieu que nous connaissons, que nous avons rencontré personnellement, afin qu'ils deviennent aussi leur Dieu. Maintenant, Père, ceci, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas les faire entrer. Mais toi, Saint-Esprit, agis sur les gens, les membres d'Église. Et comme la petite expérience que j'ai eue avec toi l'autre matin, va chercher une épouse pour mon fils. Prends-la parmi le peuple, parmi les églises. Fais sortir cette épouse. Laisse-moi en prière maintenant, Seigneur. Envoie cette Rebecca. J'essaierai d'être Eliezer. Aide-moi à être un serviteur fidèle et que le Dieu du ciel envoie son ange devant moi, devant nous, afin que nous rassemblions les choses ensemble pour sélectionner l'épouse qu'il a choisie. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je suis désolé de vous avoir gardé un peu tard. Il est 25. J'aurais dû être sorti il y a 25 minutes. Mais bon, vous aimez ce vieux chant? Revêt-toi du nom de Jésus. N'est-ce pas beau? Je chante ça depuis 33 ans comme cantique de clôture. Au baptême d'eau, au bord du Jourdain, je me tiens. Je trouve ça si beau. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom. Nom si doux. Espoir. Serrez la main de quelqu'un près de vous. Précieux nom. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre. Joie du ciel. N'oubliez pas le service de ce soir à 19h30. 19h30 ce soir, maintenant chantons ce verset, voyez. Revêt-toi du nom de Jésus, comme d'un bouclier puissant. Quand les tentations surviennent, que faites-vous alors? Murmure son nom en priant. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre. Joie du ciel. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre. Joie du ciel. Y en a-t-il qui sont venus pour être baptisés après ce service? Si oui, levez la main. Quelqu'un pour être baptisé? Deux, très bien, pour être baptisé immédiatement après ce service. Si les autres, ceux d'entre vous qui veulent être baptisés, nous aurons un service de baptême à chacun de ces services. La seule chose que vous avez à faire est de le demander. Nous sommes prêts à vous baptiser. C'est notre devoir de vous baptiser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre devoir de le faire et nous serons heureux de le faire à tout moment. Vous qui allez être baptisés, allez dans les chambres immédiatement après le service et nous procéderons tout de suite au baptême d'eau. Si quelqu'un veut les suivre, vous êtes sûr que nous sommes ici. Si vous vous êtes repenti de votre péché et que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous êtes chrétien depuis des années. Vous n'aviez jamais vu la lumière de la délivrance est venue maintenant. Une femme, une épouse qui doit prendre le nom. Jésus a dit, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. » Mais il y en aura un qui viendra en son propre nom et vous le recevrez. C'est votre dénomination. Tout fils vient au nom de son Père. Je viens au nom de mon Père. Vous, les hommes, vous venez au nom de votre Père. Et quel était son nom? Quel est le nom du Père? Jésus. Lui, venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Maintenant, son épouse portera son nom. Bien sûr. J'ai pris une femme du nom de Broy, et elle est devenue une Branham. Il vient chercher une épouse, soyez sûr, et souvenez-vous-en comme vous venez au baptistère. Maintenant, courbons la tête, et frère Ville n'est pas un étranger ici. C'est un frère très précieux, il est avec moi dans plusieurs réunions, lui et sa femme. Il est aussi l'auteur de ses prédications et de ces choses qui vont se retrouver sous forme de livres.
Frère Veil, voulez-vous prier pour terminer pendant que nous inclinons la tête?